ton tabarnak. L'épisode de cette semaine est une présentation de le Festival Transistor. Tu me donnes une minute? Certainement. Excellent, je m'appelle Julien Morissette, je suis cofondateur et directeur artistique du Festival à Radio Numérique. C'est notre 6e édition et je suis fucking excité de vous recevoir toutes et tous ce soir ici à la Bazoche. Fait que merci d'être là. Yes, yes. Le Festival Transistor, c'est quoi? C'est le Festival de la Radio Numérique à Gatineau, Elmer, ou en tout cas, c'est dans ce coin-là. Fucking excité. Si vous êtes Michel Barrette, veuillez noter que la Radio Numérique, c'est un podcast. Alors, si tu connais pas ça, tu as peur d'avoir l'air épais, non, tu te sentiras pas niaiseux. Lâche pas, Michel. Et un gros merci à Transistor de nous avoir invités pour leurs éditions 2022. Longue vie à votre festival. Et faites du bruit pour nos amis. Ainsi que Jacques PlayStation et son premier single, Un beau moment. Passez un beau moment de musique en compagnie de Jacques et de sa guitare en écoutant son premier et probablement dernier single, Un beau moment, disponible sur YouTube seulement. Jacques PlayStation, le meilleur nom d'artiste après Monique Box 360. Ainsi que Alain Kings. Cette semaine, c'est grâce à toi et à tous les autres abonnés du Patreon sur ma niaise que j'ai le plaisir de vous présenter mes amis! Oui. Wow, 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 wow! Wow! Hey! Wow! Donc, ben, le fun, t'es tombé là découragé? Ben oui! Check, man. Tu penses? Hein? Qu'est-ce? Check mon oxygénation du sang. Ah, bon, ben ça, c'est bon! 98, ça va bien. Hey, j'ai jamais eu une autant grosse oxygénation du sang. Je peux te checker. Mais ça, c'est comme une. 102 de battements cardiaques. Je peux te checker. Ah, mais ça, le taux d'oxygène, c'est comme t'as une bulle d'air dans la tête, là? Je sais pas à 100%, c'est quoi? Ben, je pense que tu meurs, là. Tu deviens comme juste de l'oxygène, je pense, peut-être. Tu deviens de l'oxygène, ouais. Oui. Tu deviens de l'eau. Mais là, 98, puis moi, 93 BPM. Mais toi, tu fumes, fait que c'est ça, là. Qu'est-ce? Ah, ça baisse moins bonne note? Cardiaque? Ben, t'es... Ouais. Non, ça l'accélère, normalement. Ouais. Mais j'ai fumé du pot, aussi. Ça le descend, même ça. Si j'avais pas le droit sur le terrain. On n'a pas le droit sur le terrain de fumer du pot. Non, à la c'est bazoche, c'est non. C'est, ouais, à la bazoche. Bazoche. On se demandait si c'était le projet francophone de Jeff Bazoche. Le milliardaire dans l'espace. Le milliardaire, il a fait un bon suicide. Il s'est fait une petite salle. Comment ça va, JF? T'as l'air gêné. Oui, je le suis. T'as l'air en spectacle aussi. Là, ouais, je sais hein, pas. Genre... Yes, sir! Ben, j'ai acheté un clavier, là, parce que ça me tentait, tu sais, genre, d'acheter un clavier. Ben, c'est parce qu'il y en avait juste 6. Il y avait un clavier chez eux, mais il était pas pratique à transporter. Non, mais attends! Hey! Tandis que celui-là, tu mets ça dans tes poches, pis c'est parti, ouais. Mon chum, hein? Mais non, mais il se plie en deux! Ouais! Il est super léger. Il se dégonfle! Il fait 8. Il se dégonfle! Il est gros de même! Non, mais mon autre clavier, il est gigantesque, il est très lourd, là. Il est genre 30 livres. Mm-hmm. Fragile. Non, je comprends, c'est sûr. Mais quand tu l'as acheté, tu t'es pas dit « Hey, peut-être des fois, je vais vouloir jouer pas juste dans ma pièce. » Ben, en fait, c'est qu'au départ, j'avais acheté un clavier encore plus lourd à 70 livres. Puis là, c'est pour ça que t'as acheté le 30 livres? Oui, parce que je me suis dit « Hey, c'est bien trop lourd à traîner en chaussures. » J'ai jamais magasiné ça au poids. C'est fucking weird, mais je viens de réaliser ça, c'est pas... Non, mais c'est parce que j'avais acheté le Korg SV1, tu sais, celui qui a comme tous les vieux sons, là. C'est lourd. C'est très ça, lourd. Les sons sont vieux, sont pesants. Non, mais tu l'as déjà vu chez nous, là, tu sais, il est comme plus rond, là, mettons, puis comme il y a des lampes dedans, il est rempli à lampes. OK. Là. Fait que lui, il est très, très lourd, tu sais, comme, genre, honnêtement, c'est super lourd. Puis là, je me suis dit, je vais acheter l'autre, mais là, le prochain que je vais acheter, parce que ça, c'est genre 61 notes, puis c'est un 61 notes, celui qui est vraiment, vraiment lourd, tu sais. Puis là, j'étais comme, aïe, aïe, mais je veux comme toutes les notes du piano, tu sais.
L'affaire, c'est que celui-là, il est genre, celui-là, il est 1000$, puis toutes les notes du piano, il est genre 2000$. Fait que, tu sais, tu payes genre 1000$ pour ça, tu sais. Mais en même temps, c'est vraiment nice parce que, tu sais, comme t'as plus grave, plus aigu, tu sais. Mais les touches. T'as payé 1000$ pour ça. Ouais. Fallait. Ça vient-tu nous coûter 2000$? Ben ouais. Non, celle-là, c'est okay, gratuit. Ça, c'est payé. Je l'ai déjà payé. Hey, t'as pas besoin de cette extension-là. Il y a presque jamais de tunes qui sont jouées là. C'est vrai, genre, joue une tune là. Ouais. Ah, pratique pour vendre de la crème glacée, oui. C'est vrai. C'est à peu près tout. T'es comme le maestro d'un castelet. C'est vraiment weird. Toi et moi, on finira Mario 2. Mario 2. Toi tu choisiras le champignon. Choisiras le champignon. Et moi, je te regarderai dans le salon. Toi et moi, Mario Kart. Wow. Ok. Y a-tu par applaudissement les gens qui ont jamais vu tu Niaise avant ce soir dans la salle? Ok, juste vous dire, c'est pas ça du tout le podcast. Ça a jamais été ça. Hey. C'est ça, je veux dire, toi, je comprends. C'est parce que tu t'es acheté le clavier, on va en parler longtemps là-dessus, il y a tellement d'affaires à dire. Mais. Il y a plusieurs pitons là-bas, moi, on les a pas tous passés encore, certains. À la base, je pensais que quand tu m'as parlé de ça, je pensais que tu parlais pour ton show au Mobilo. Oui. Puis là, mais là, je te vois asseoir avec ton setup, puis je réalise, il nous a jamais vraiment parlé de ça, qu'elle allait venir avec un piano. Moi, c'est mon rêve depuis le début, tu me niaises. Hey, c'était fluide. Non. Faut que je devienne bon. Oui, oui. Live. Faut que je pratique live, c'est ça, là. C'est vrai, ça, c'est très humoriste, ça. Je pratique live. OK, j'arrête. Pas chez nous, avant. Ouais, c'est vrai que c'est très, très humoriste de pratiquer quand t'es... Oh boy, c'est très... OK, j'enlève ça. Ça, c'est trop chaud, ma tête. Peux-tu prendre mon oxygène, s'il vous plaît? Absolument. Hey, laisse-les pincer. Ça, c'est normal, par exemple. Ça, c'est souvent... C'est souvent normal. Tout va bien. Excellent. Oh. T'es-tu tuné? Oui, c'est ça. Il check ses doigts. Oui. Je t'en là. Moi, je t'en là. Ben oui. On dirait que t'avais l'air mineur un peu quelques secondes. Là. Ça avait pas l'air de bien aller, mais... Peux-tu aussi quand même avouer publiquement que ce piano-là, avec un sticker Marvel dessus... Ouais. Tu l'as acheté là sur le marché noir qui gigit des pianos. Oui, je l'ai acheté sur. Ok, ça c'est une histoire vraiment triste par exemple. Ok. Non. C'est un peu triste. Ok. Fait que je sais ça. Je contacte quelqu'un qui vend son clavier Cross 2. C'est un Cross 2. Ça c'est ça. Le Cross 2. Fait que là il vend ça. T'sais. Puis là je suis comme ah il est orange. Moi l'orange, mais c'est pas grave. C'est ça que je fais. Il est pas, il est léger. Il est léger. Là, dis-moi pas que tu vas racheter un bleu au printemps. Ben, il y en a des rouges, j'ai tellement beau, puis je pense que ça serait bien pour Mathieu, il y en a un aussi. Ah oui, ben oui, double clavier, ben oui. C'est quoi, on est en train de devenir Super Tramps? Ben même oui. Ça se passe? Non, mais ils ont parti un podcast, puis 8 ans plus tard, ils faisaient Dreamer. T'aurais peut-être un maracas ou quelque chose, tu sais. Je suis à l'aise avec juste la voix, là, bon, honnêtement. Okay. Fait que, c'est ça. Fait que là, je contacte le gars, puis il est comme, genre, je veux l'acheter, il fait « OK ». Là, après ça, il me dit « Contacte-moi, genre... » C'est ça, il était rendu 11h le soir, il dit « Je m'en allais dodo. » Là, premièrement, je suis comme... « Je m'en allais dodo. » J'avoue, vraiment... quand t'es adulte, on se dit pas ça. Ben, ça, c'est... Il a dit « Je m'en allais... » Mais avant, un titi pipi. Et les lolos. Là, j'étais comme « OK, pas de problème. » Genre, je te contacte demain, genre à 11h. Là, il fait signe de pouce. Fait que là, je fais comme « Parfait. » Là, je le contacte le lendemain à 11h. Là, il me répond pas. Là, après ça, il me répond à 4h. Il fait « Excuse. Tu sais, j'ai peut-être la COVID. Je toussais. Donc là, j'attends un test. Donc, on peut pas faire l'échange tout de suite. » Je suis comme « Parfait. Il y a pas de trouble. Il y a pas de stress. Comme genre, je n'ai pas de besoin là. Ça peut être plus tard. » Il fait « Parfait. Réécris-moi demain. » je te rappelle demain à 4 heures. Là, finalement, il me rappelle pas demain à 4 heures. Là, je suis comme tabarnak, c'est un peu tout croche. Là, je fais comme allô, tu sais. Là, il me répond pas. Là, il me répond comme à 11 heures. Il fait t'es-tu encore intéressé? Là, je suis comme oui. J'ai jamais arrêté d'être intéressé. C'est ça, là. C'est ça. Là, il fait ça s'en va, par exemple. Là, il me dit vendredi, c'est parce que je m'en vais dans mon chalet. T'sais. Puis là, moi, je m'étais fait une histoire de il veut comme le vendre parce qu'il faut qu'il paye son loyer, tu sais. Puis comme genre, tu sais, genre. Ben, honnêtement, là, juste, tu entends,
y a pas beaucoup de ça un peu sur... Tu sais, t'as pas ce feeling-là tout le temps quand t'achètes de genre seconde main un peu que, tu sais, le monde vend du stock parce qu'on en marge, hein? Oui, un peu quand même. Fait que tu sais, c'est ça, c'est lourd, là, tu rencontres du monde dans des parkings, tu réalises que c'est ça, là, tu sais, sont en train que de c'était pas leur chien quand même. Non, mais ouais, ou qu'ils te vendent le clavier de leur enfant, puis tout est comme... Ben, tu sais, t'as tout le temps comme un dos de « c'est-tu volé » ou « c'est-tu comme super triste comme histoire, comme genre... » T'as deux options, c'est volé ou super triste. Ouais, j'ai vendu c'est cool plein de pédales Gigi. Là-dessus. C'est parce que je suis allé sur son profil, puis là, je check sur la photo, puis il est comme full heureux avec le clavier, comme genre... À quoi? Il est posé avec son clavier? Oui! C'est ça, sa photo de profil! Oh non! Il est genre, yes! Yeah, c'est genre, c'est sa vie, là! Genre, non! C'est depuis qu'il l'a, il vit! Il capote, il est comme full heureux. Non. Son autre image de profil, c'est genre, il s'est lui avec un autre clavier. Tu vois que, tu sais, c'est sa passion, la musique, là, tu sais? Il adore ça. Fait que là, je suis comme... Non, mais en fait, tout ce que tu vois, là, c'est deux photos avec un clavier. C'est vrai. Oui, sauf qu'il n'y a rien d'autre sur son profil. Mais ça donne l'impression que... Oui, 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 non, non. Non, mais c'est juste, je l'ai juste dit que si je me fais photographier avec une pizza, je ne suis pas comme je tripe sur l'Italie. Mais imagine n'importe quelle autre affaire. Là, t'achètes une laveuse de seconde main, tu vas sur le profil, puis elle est accès à la laveuse. C'est sûr que t'es comme... Chris, il l'aime, là, tu sais. C'est ça, là. C'est parce qu'un instrument de musique, je trouve que c'est pas pareil que, mettons, n'importe quoi. Je comprends. Il y a comme de quoi de. Tu sais, ça apporte du bonheur. C'est comme. Il y a du monde qui vivent que pour la musique aussi, là, tu sais, genre, je sais pas. Fait que... Ben, OK, ouais, oui, ça, c'est vrai, puis tout, mais moi, je dois dire, juste de l'extérieur, parce que je suis comme pas vraiment un musicien, tu sais, je comme chante dans un groupe, mais moi, je joue pas d'instrument. Ouais. Fait que je vous regarde aller, moi, de l'extérieur, là, puis vous êtes toutes des gouloums avec les instruments. Oui, oui. Vous capotez, je peux savoir 250 pédales, puis là, comme genre, ouais, j'ai le piano, puis capote. C'est vraiment, vous êtes Un own syndrome, là, de gear acquisition stuff, le gaz. Mais ça, je te le dis, ça paraît comme, vous pognez comme, vous tiltez. Ah ouais. Vos yeux sont plus pareils, je peux pas vous faire confiance dans ces moments-là. Ben c'est comme quand tu dis tu vas arrêter de fumer, mais exact. Une nouvelle sorte chez Steve, puis là t'es comme m'en prendre quatre. C'est comme wow! Là, tout, c'est genre ça qui se passe. Pas. Mais c'est vrai que la musique, en même temps, c'est beau, là, tu sais, je veux dire, c'est le fun. Puis je comprends qu'est-ce que tu veux dire, il y a un attachement de plus peut-être par rapport à un objet plus random, là, un aspirateur, mettons. Exact. Fait que là, c'est ça. Finalement, il m'est réécrit, puis là, j'ai décidé de le faire sécher parce que, genre, j'étais comme tanné qu'il me niaise. Fait que là, j'ai dit. Gars, il va me répondre, puis je vais pas répondre. Genre, je vais y répondre demain. Ça, c'est-tu les, genre, les trucs de Marc Boilard pour. Gigi. C'est vrai! C'est vrai? Ouais. T'as tes petits dossiers? Ouais. Toujours deux dossiers d'ouvert, un petit piano, puis quelque chose d'autre, genre. Une pédale, mais pas mandoline, plus. Au pire. Oui, mais pas plus. Jamais quatre ronds en même temps. Fait que là, c'est ça. Là, comme il dit, t'es-tu correct pour demain? Puis là, je lui réponds pas. Là, il m'a envoyé juste un point d'interrogation quatre heures plus tard, tu sais. Passif agressif un peu. Un peu. Là, j'ai répondu oui, c'est correct, là, finalement, très rapidement quand même, là, genre à 9h le soir. Puis là, il était comme demain, on se rappelle à tu me rappelles à midi, puis on se met un rendez-vous. J'étais comme aïe, est-ce qu'on le prend pas tout de suite? Ce n'est un rendez-vous, c'est ça! Ça, c'est ça! On prend ça là! Il faut être là à midi, n'importe où! Fais-toi confiance, c'est bon pour prendre des rendez-vous, on vient d'en prendre deux! Là. J'ai dit, j'ai juste besoin d'une adresse et d'une heure. Tu sais, je vais être à l'heure, je vais avoir l'argent, je vais tout. Tu sais, là, genre, fais juste me donner une adresse puis une heure. Vancouver dans 5 minutes! Non, non! Fait que là, ça, finalement, film, il me donne son adresse sur sa... je vais pas dire ça. Il me donne son adresse. C'est gros Saint-Hubert. Oui, je sais. C'est, ça. C'est où? C'est son adresse. Il me donne son adresse. Puis là, après ça, il me dit, « Mais attends mon appel parce qu'on sait jamais. » Fait que là, j'étais comme, « OK. » Ça veut dire, ça. Là, finalement, je sais pas. Là, le lendemain, à midi, il me dit, « À 3h30, ça serait-tu correct? » Là, je fais, « Oui. » Là, finalement, à 2h30, il m'écrit, il dit « Je suis disponible. » Je fais « J'arrive! » Fait que là, il dit « Prépare l'argent, t'sais, va-t'en au couche-tard. » Là, toi, rendu là, tu pensais que tu te faisais voler. Fait que je comme... le sais, t'es parti, j'étais là, puis t'étais comme « Je pense que je vais me faire voler, j'ai l'impression. » J'étais comme « Ben, donne pas l'argent avant d'avoir le clavier! » Mais ça, c'est le feeling aussi de « J'ai donné rendez-vous à un étranger, ouais. Puis il m'a demandé quatre fois « Oublie pas l'argent. » Là, il y a comme un « Chris, on dirait... » C'est ça. Hey, honnêtement, là, c'est pas dur d'être bandit là, non, non. En 2022. Non, faut juste pas... Le monde vienne à toi avec 400 piastres. Oui, mais... c'est ça, mais... Fait que là, c'est ça. Fait que là, finalement, je m'en vais au couche-tard, tout ça. Je fais, je suis arrivé. Il dit, je te vois pas.
Là, j'étais comme... Hey, ça, c'était peurant. Hey, là, je me sens... T'es où, man? Genre, je me sentais comme... Tu sais, le film, il y a quelqu'un qui répond au téléphone, puis fait comme, il y a un sniper qui vise, puis là, ça dure une heure. Va à la prochaine boîte téléphonique. Ouais, genre, je me sentais comme dans Die Hard 3, là. Donne l'argent au petit gars, puis avance dans le couche-tard. Hello, John McClane. OK, mets-toi quatre pattes à terre, enlève ton chandail, tourne dans... Ben non, c'est une joke, je sais. Là, je regarde partout, je suis comme, OK, c'est quoi? Pourquoi est-ce que c'est compliqué? Il y avait comme du monde qui loadait du stuff dans une maison comme avec une grue. Je suis comme, c'est-tu comme un déménageur? Puis là, il me donnait une adresse de ce qu'il déménageait. Puis là, il veut comme pas que ça soit retraçable. Puis là, il va me voler 500 T'as pas besoin de grue, il est full léger! C'est ça? Exact, exact. Fait que là, j'étais comme full inquiet, tu sais. Puis là, je savais pas trop. Puis là, finalement, je vois un dos descendre du deuxième étage, tu sais. Puis je fais comme, avec le clavier, je fais, oh, c'est lui, tu sais, il arrive. Le clavier, tu te rappelles la photo? Je me rappelle. J'ai dit, tu sais. C'est tout ce que t'as vu. J'ai une casquette bleue, tu sais. Puis j'ai genre des jeans, des T'étais raccord, toi. J'étais raccord. Fait que là, finalement, il descend, mais tu sais, le dude, là, c'est la partie triste, il était meg. Il avait pas l'air de filer, ben. Il y avait des spots d'en face, là, tu sais, genre des gales, il y avait les bobos de peau, puis tu sais, il était comme pas ben, c'était 100% pour acheter du meth, là. Oh non. Puis là, rendu là, tu sais, comme. Ben, d'où le pourquoi il avait pas vraiment envie de vendre le clavier. Ouais. Parce que c'était comme la seule affaire qu'il aime faire, probablement. C'est ça, c'est pas qu'il l'aime. Fait que là, tu te sens-tu mal, comme? De... Super mal! Mais en même temps, c'est. T'avais pas l'air tantôt quand tu faisais tes petites affaires. Ben, il compense! Il compense, mais c'est juste une pour aussitôt qu'il arrête, boy, il est comme... Non, non, il me voit pas, je l'ai bloqué. Aïe, il t'a pris son meilleur ami pis tu l'as bloqué. Pis comme, genre... Dès qu'il voulait des nouvelles. Tu sais, comme, il l'a full loadé avec genre du stuff électronique, fait que tu sais, je l'imagine vraiment comme... Wow! C'est très Five Elements, là, genre le second element. Wow. Ouais. Ça, c'était hot, ça. Quand même. Ça, juste ça, là, pis tu peux avoir comme la suite de Watatata ou quelque chose avec ça. Il y a un jingle comme Watatata in Space. Fait que c'est ça, mais tu sais, comme, genre, qu'est-ce que tu voulais que je fasse comme, oh non, c'est pour acheter de la drogue. Non, t'es aussi, ben t'es sûr, toi, ça va? Puis rentrer, là, tu sais, ça peut pas être ça. Non, puis si c'est pas toi qui l'achètes, je crois que c'est probablement quelqu'un d'autre. C'est lui qui le vend aussi, là, je veux dire, tu enlèves pas des mains. Mais effectivement, il y a quand même quelque chose d'un petit peu comme triste dans ce rapport-là, là, que tu le veuilles ou non. Là. Bon, ça y est. Marvel vient de prendre le bord. Il déshabille. Mais l'autre soutien, un sticker, j'imagine, c'est pas vraiment Apple. Le clavier, là. Non, le clavier Apple. Ouais, il serait comme un enfant qui avait collé ça, mais. Tu sais, ça, on dirait que c'est comme, t'as mis des collants, là. Tu sais, je veux dire, non, là, genre, c'est toi qui l'as collé le collant Marvel, c'est juste que tu te sens mal. C'est qui les enfants qui ont des collants à Apple? Ceux qui font les téléphones? Peut-être c'est ça qu'ils ont, eux autres, à la fin de la semaine. Aïe! Hey boy! Aïe. Ça, c'est plus le podcast. Oui. Non, mais juste garde ça dans le rapport. Hey, moi, hier... le gars, c'est quoi, il était gêné d'avoir un sticker Marvel devant le gars qui a un t-shirt de chien, mettons. Comme, pis c'est pas grave, c'est ça, comme, assume. C'est vrai que ça, c'était de la gêne d'adulte. Comme, c'est vraiment de la gêne d'adulte, ouais. Ben, j'avais pas le t-shirt de chien, mais je comprends ce que tu veux, t'sais. Ouais. Mais t'inspires pas comme, genre, la masculinité toxique, là. Ben, n'importe qui va acheter un clavier au couche-tard inspire pas le jugement. Non. C'est ça. Tant qu'à moi. Non, c'est ça. C'est ça, fait que j'ai maintenant on a un clavier là, ben c'est ça. Là. Maintenant on c'est a nous, un ça? Clavier. Ben tu me niaises là, tu sais. Parfait. Fais là juste une petite ambiance là. OK. Wow. C'est une belle ambiance. La neige a fondu, laissant à l'air libre les petits caca de cachou. Ramassez les excréments de vos meilleurs amis. Sinon, c'est mes amis qui vont piler dedans. La semaine de sensibilisation aux défécations canines. Regarde, c'est mieux! C'est pas mauvais! C'est bien mieux! Je sais pas que c'est pas mauvais. Mais je vais pouvoir lancer plein d'affaires. Ben, moi, j'aime quand tu peux mettre des gros strings, là, puis là, ça devient comme un peu Game of Thrones, mais cheap. Ouais, ok, attends. C'est vrai que... C'est vraiment Noël. Tu
C'est beau. Non, c'est le fun. C'est sûr que c'est le fun. Non, mais c'est super. Mais sinon, à part de tout ça, JF, toi, comment ça va? C'était une journée très anxieuse. Là. Oui, journée stressante. Ça a été mon premier contact avec lui ce matin. Le stress? J'étais aux toilettes, j'ai réalisé qu'il m'a appelé, je le rappelle. Il fait, là, je fais « ça va? » Il fait « ah, oh, journée qui est partie, c'est chapeau de roue. » Ben, qu'est-ce qui va pas? Non, ça va. Puis j'ai pas su exactement, mais je pensais que je me suis levé, là, j'avais plein d'affaires, fallait que je mette des fils dans mon sac. Dans le sac. Non, mais c'est mettre les bons fils. Les bons fils. Les bons fils. Pensez à tout ce qu'on a de besoin. Parce que là, tu sais, c'est comme, on vient à Gatineau, tu sais, le nouveau setup. On ne sait pas s'il y a l'électricité là-bas. Y a exact, on ne sait pas. Hé, hey, ça fait 2 ans aussi hey. Là, que tout, peut-être, ça n'existe même plus. Ça, on ne sait pas, là. Fait que c'est ça, là, genre... Ben, aussi, non, mais je suis d'accord avec toi, parce que c'est vrai que c'est quand même des grosses journées, déplacements, tout le stock inoublié, on est quand même habitué, tu sais, pour faire ça. Puis, mais en même temps, c'est aussi parce qu'on est des anxieux. Je veux dire, c'est anxieux parce que dans le fond, tout était réglé. On avait tout le stock. On avait des jeux. Tu sais, on n'est pas non plus. On s'est pas levé un matin en disant, hey, c'est je regarde sur le stage, il y a zéro de tes fils. C'est vrai! Fait que c'est quoi les fils? ben, c'est parce que l'affaire, c'est que. Bon, ben, j'ai. Ben, c'est parce que, tu sais. Ouais, mais je voulais apporter, mais finalement, c'est toi qui l'as mis, ce fil-là, puis là, le fil du micro, puis tout ça. Puis fait que ça, pour dire que tu stressais un peu ben pour oui, rien c'est dans ça. Un sens, c'est ça. Oui. Hey, c'est pas pour rire de toi, c'est que je comprends, non, il y a non, comme non. toute cette chance-là, ta vie pareille en dedans. Là. Ils sont tous dans mon sac à dos, tous mélangés, les c'est fils. C'est ça, là. Je te voyais chercher ton fil dans le fond tantôt, puis... Au deuxième épisode, on va checker si c'était les bons fils. Oui, c'était les bons fils. Es-tu sûr? Oui, oui. On va checker. Non, mais c'est parce qu'ils sont plus courts, sont très courts, ça se rend pas à l'ordi. Fait que c'était pas les bons fils. Non, ben, puis c'est pour ça que j'ai appelé Mathieu, ben, j'étais comme, je pense que j'ai pas les bons fils. Mais là, j'ai mis les fils pareil, mais je me suis dit, au pire, on va avoir les fils pour se débrouiller. Ça part sur les chapeaux de roue, effectivement. Ouais, c'est ça. Ça commence demain. Non, mais après, sur ça, les chapeaux le de roue en Willy, là, par exemple. Ouais. Mais on a eu du fun après. Moi, j'ai pas eu de fun. Non. T'as pas eu de fun? Qu'est-ce qu'on a ri dans le char tout le long? Hey, t'as même eu le temps de jouer à Magic tantôt. T'as même joué à Magic. Oui, mais j'étais comme, quand est-ce qu'on va manger? Où c'est qu'on va manger? Qu'est-ce qu'on va faire? Mais c'est vrai, il a mis. C'est parce qu'il y a vraiment. Je sais pas, on a fait des farces, puis il a vraiment mis le chapeau de l'organisateur. Le meilleur organisateur, tu me niaises. Pas le chapeau, il a mis le chapeau, le meilleur! Le meilleur organisateur de tu me niaises. On est arrivé pile à l'heure à chaque fois. Sauf pour le soundcheck. Sauf le soundcheck. On est arrivé 15 minutes d'avance parce qu'on a mangé des hamburgers. Ça, c'est vrai. C'est vrai. Hey, on a vu passer le convoi. Oui. Oh, wow! Oui. Aïe! Il y avait beaucoup de drapeaux, là. Oui, oui, c'était le fun, ça. Ah, c'était vraiment... C'était un bon moment. Faut que j'arrête de jouer avec ça. C'est pourquoi j'ai acheté ça, Carlis? Bon. Hey, la loupe est tellement courte, tellement rapide. J'ai le goût de jouer à ça. J'ai pas le goût de vous parler, hey, là. Mais c'est débloque ça, le gars. Demain, on revient en ville. Tu non. débloques le gars, on s'envoie porter au couche-tard. Non. Oui. Non. Mais là, c'est quoi? Il va m'ordonner, genre, le reste du cash. Non, tu dis, garde-les, ça va mal. Hey, hey, ben non, ça serait un beau move. Mais trop tard, t'as enlevé son sticker Marvel. Là, de quoi t'as de l'air? Tu dis, hey, c'est-tu quoi? Tu dis, c'est mes enfants qui l'ont enlevé. Oh, ben, hein? Hein? Lui, il est comme, il m'a menti. Le gars, c'est ses petits doigts qui ont déchiré la peau. Mes enfants. Non, tu y retournes, tu fais, j'ai pensé à ça, puis je pense que tes enfants le méritent. Je vais aller lui redonner à ton enfant. Non, c'est moi qui avais mis les collants. C'est juste ça, je voulais savoir, puis tu t'en vas. C'est qui ce gars-là? Putain! Je le savais que tu mentais! Tu le connais pas. C'est ça, c'est vraiment weird. Ouais. Fait qu'une journée anxieuse, mais overall, sinon, à part ça, parce que là, ouais. Gars, on est rendu, tout est plugué, tout va bien, les ouais, fils tout sont bien, là. Tout va comment tu te sens? Mieux. Mais c'est parce que j'étais un peu lendemain de veille, parce que hier... Oh non, ma canette de melon. Hier, j'étais allé voir un show. T'es allé voir un spectacle? J'étais allé voir un spectacle au Pelgag. Et puis là, après ça... Je suis allé boire une coupe de petite bière. Fait que t'es scrap. Ben, ce matin, j'étais comme, tu sais ça, genre, déphasé, full stressé, genre, ah, fuck, faut que je prévoie tout. Puis là, c'est ça. Puis là, on n'a pas mangé, tu sais, comme on est allé prendre un petit café, tout ça. Puis là, ça a pris du temps, mais qu'on mange un petit bigu à 2 heures. Un petit bigu. Et hey, puis pour vrai, honnêtement, on s'est arrêté au AEW, là. Puis on a pris, moi, j'ai pris le, quoi, non?
Non, non, il y a le meilleur, c'est comme le, on le était better, du côté, better burger, on le était, très bon burger. Le, non, en anglais, c'est the worst best burger, mais en français, c'est le très très bon burger. Fait quelque chose qui s'est perdu. The worst best burger. Ouais, il y en a un qui world. Est comme wow, puis en français, c'est comme il est très très, très bon, mais on n'a pas eu les droits. C'est juste, il y a des petits oignons. Il y a du prime rib, puis il y a un pickle free. Puis honnêtement, c'était pas dégueu, rien, c'était pas super bon non plus, mais je file tellement pas bien depuis que j'ai mangé ça. On se serait arrêté sur le bord de la route, j'aurais mangé un oiseau à terre, là. Je filerais mieux, là. À court terme, ça serait oui. fini, là. Je l'aurais vomi, puis je serais passé à d'autres choses. Là. Mais là, on dirait, ça fait le contraire de la nourriture. Tu sais, d'habitude, tu manges, puis après, il y a comme une énergie qui vient avec. Là, on dirait que ça a tout suctionné mon énergie. Puis ça va me la sortir probablement demain matin. Ah, mais oh, cette énergie-là! Je me sens pas bien, là. C'est terrible, ça. C'est peut-être comme le fondateur de AEW qui est comme... qui lui, il est connecté Wi-Fi avec ton énergie. C'est comme, il t'envoie des... L'ours! Poloum, poloum! Poloum, poloum! C'est lui qu'on voit. C'est comme, non, mais c'est peut-être une genre de façon d'être un vampire pour lui, ça. Qui nous fait manger sa marde puis qu'il prend notre énergie. Ouais. Hey, il doit être énergique en crise parce qu'on en mange pas mal. Non, mais c'est comme magie un peu. Là. En ce moment, t'as comme un genre de filet comme d'énergie. Je me sens vidé. Hey, ça rajoute le pire dans Vampire en esti. Là, c'est ouf. Ouais. Terrible. Des vampires magiques. T'sais, pas besoin de mordre, là, à un moment donné. C'est pas propre. C'est vrai que c'est pas propre. Pas propre. Mais en même temps, c'est sensuel. C'est ça, t'es supposé venir. C'est ça, t'es supposé de venir quand tu fais mort par un vampire. C'est vrai, ça? Oui, oui, oui. Qui t'a dit ça? Bram Stoker! Genre, ça te donne un orgasme? Oui, c'est ça, ça te fait jouir. Mais comme, qu'est-ce qui fait jouer là-dedans? Excusez-moi, je fais jouir! Tu sais, là, Oui, oui, mais qu'est-ce qui ferait ça? Comme littéralement le travail de là-dedans? Non, c'est... Là-dedans, dans la horte? Ouais, qu'est-ce qui fait ça? Ben, c'est sûrement une genre d'énergie magique, là, je sais pas. Parce que c'est comme, qu'est-ce qui donne la vie après la mort quand tu te fais mordre et sucer ton sang? T'sais, c'est comme, est-ce que c'est comme un genre de poison? T'sais, ça doit être comme une genre de drogue, un peu comme de l'héroïne, genre, ou quelque chose de même. Ça sort des dents? Et c'est peut-être comme les serpents, t'sais, le venin. T'sais. C'est vrai qu'il y a déjà des trous pour... Ben, il n'y a pas de trous dans les dents. C'est que... Ben, ça dépend, là, en fait, là! Les serpents, ils ont des trous. Où c'est qu'ils ont des trous? Non? Ça vient ouais, c'est ça, c'est comme deux crochets dans le palais. Là, bon, pas... ben peut-être qu'ils ont des trous dans le palais, les vampires. Peut-être. Je sais pas, là. Mais moi je pense pas, là. Aucun moyen de savoir. Trop tard. Google. Fallait demander en 1532. Quand les vampires vivaient c'est encore. C'est terminé. Ouais, ouais. Toi, Mathieu, comment tu vas? Ben, ça va bien. Bon. C'est une grosse semaine. On avait bien des affaires à faire. Oui. Je me suis couché souvent tard en spinant. Oui. Mais là, je suis bien. C'est le fun. On a fait de la route aujourd'hui. J'ai fait un petit somme dans la van. Après ça, je me suis réveillé pour manger des burgers. C'est pas si pire, là. Non, c'est pas si pire. Moi aussi, je suis fatigué. C'est parce qu'on travaille beaucoup ces temps-ci. Puis c'est mais trop... le voyage, c'est fatigant, hein? Le voyage dans le sens aller à Gatineau? Oui. Appelle ça le voyagement, mettons. Le parce voyage. Que le voyage, c'est un peu... Ah, ouais. Oh, moi, j'ai voyagé, mon ami. Blainville. Mais c'est parce que ça dépend. Grambé. Ça dépend. En 1800, ça, c'est un voyage. C'est vrai. Oui. Ah oh, ouais. Ah oh, oui, vrai. Tu perdais ta plus jeune là-dedans. Non. C'est... Mais tu pouvais vendre son clavier. Ben. C'était des clavecins. Fait que tu sais, c'est ça. OK, oui, c'est un voyagement. Mais ça ouais. fatigue. On dirait que je sais pas c'est quoi. C'est-tu parce que le char avance, mais comme c'est comme si on restait à Montréal? Moi, j'ai toujours pensé que oui. Il y avait un peu de ça comme. C'est on ça le décalage horaire. T'es pas arrivé. C'est pas encore arrivé. Tu penses que t'es arrivé, mais non. Tu traînes en arrière, genre, il y a comme. Chut, ton énergie. Là, ton âme, là, elle marche vers toi. C'est ça. C'est comme dans... It Follows. Comme It Follows, ouais. C'est ça. C'est ça. Ça, c'est un film sur le décalage horaire. C'est ça. Voilà. Quand tu te retrouves. Non, mais ça donne ce feeling-là de comme, ça m'a pris 3 heures, mettons, à la Chicago, mais on dirait que, ben c'est pas un bon exemple, Chicago, il n'y a pas un décalage, mais ça te prend, mettons, 6 heures, 7 heures, te rendre en Europe, mais on dirait que ça te prend 2-3 jours à arriver pour vrai, tu sais. Ouais. Fait qu'on peut pas aller plus vite que nous. Non. 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 Fait que là, c'est ça, là. C'est pas sûr que c'était beau tant que ça, là. C'était pas... Mais imagine quand tu reviens, puis ton toit te revoit passer dans la van, puis il est comme... Oh God! Puis il repart l'autre bord, puis il est comme... C'est-tu qui est gossant? Mais penses-tu qu'il se met comme de même, puis il saute
Dans ça. Van? Ouais. Ouais. Hey. Essaye de se pogner, essaye de te pogner. Peut-être qu'il y en a de... Ils sont peut-être pas tous aussi wise, là, nos énergies. Tu sais, comme t'sais. Celui de Wayne Gretzky, c'est sûr, il est meilleur, là. Ben, il doit être... Oh, ouais, il doit courir. Physiquement, là. Oui. Tu sais, c'est ça, là. Oh, ouais. C'est sûr. J'aime hein? que t'as pris Wayne Gretzky en référent, t'as fait actuel sportif. J'aurais pu un prendre... homme de 71 ans ouais. que des records en 94. 71? Je le sais pas. Wayne Gretzky a eu 61 ans en janvier. Mais c'est parce ben que pour moi, c'est ma référence de bon hockeyeur. Ben ouais. Tu sais, je sais pas, moi, Shane Cocker Corcoran, je connais Shane pas. Shane Cocker Corcoran! J'ai hâte que Julien l'écrive. Shane Cocker Corcoran! C'est un conte ou quelque chose, ça. Oui. Ben, il est massé, le fils de ouais, Châtelet. Il est multi-ethnique. Hein, oui. Shane Cocker Corcoran. Trois oui. parents différents. Cacator! C'est malade ça, j'adore. Pas de bon non, mais je les connais pas, les ben non, joueurs de hockey, là. C'est qui? Mettons, nomme-moi un bon joueur de hockey. Shane Corson. C'est ça. Le jeune, là. Ouais. Super bon, là. Au de même. Wayne Gretzky, là. Hey, Wayne! Laisse-les tranquilles. Ben non, il est retraité, là. Ben oui, mais il est, je sais pas. Que... Super bon. Ah oui, super. T'as pogné la même maladie que les Boomers avec les Beatles. Hein. C'est vrai. T'as les Beatles, il y a de la musique. Non, il y a d'autres qui se disent, ben, les Beatles. Les Beatles. Les Stones. Paul McCartney. Paul McCartney. Ça, c'est... Tu connais-tu les Beatles? Ah, wow. Super. Bon, moi, comme d'habitude, personne ne veut le savoir, mais moi, oh, je vais bien. Oh, c'est parce que... Je vais correct, je suis fatigué, mais je vais bien. Honnêtement, je suis content okay. de tout le travail qu'on fait ces temps-ci, ouais. sur tous les fronts. Okay. Ça va bien, on est comme en charge de notre destinée. Ça, j'haïs pas ça. Mm-hmm. Puis... Aïe, aïe. Hey, là, faut pas qu'on dise ce qu'on fait après, parce que ça va dropper. Non, mais juste d'être indépendant, je veux dire, ça me fait du bien. Ouais. C'est juste qu'il faut tout faire. Fait que c'est, pour vrai, c'est beaucoup de job. Mettons, c'est là. Beaucoup de puis job. Beaucoup, ouais. C'est aussi comme un bout de job que je suis moins bon dedans. Ouais. Mettons, comme, tu mettons, le booking, c'est pas vraiment ça, moi, mais tu sais, on est capable de faire ça, c'est juste que ça me prend du mais jus. Mais t'es quand même le meilleur booker de Tumoniac. Oui, c'est vrai. C'est vrai, c'est vrai. Ouais, c'est merci, il y a une personne. Une personne. D'ailleurs, c'est lui qui m'a booké ici ce soir, oui. alors ça s'est super bien passé, on en a parlé dans le char hier. Non, non, mais tu sais ça, mais sinon, en même temps, j'aime mieux le faire que de déléguer toutes ces choses-là, mais c'est que je me suis comme rendu compte à longue que tu peux pas déléguer une partie de ton travail artistique, même si tu as l'impression que c'est le travail pas artistique dedans, sans que ça change quand même quelque chose dans ce qu'on te propose de faire, ce que tout ça change beaucoup la vibe. Fait que c'est ouais. ça. C'est penses-tu que Sébastien Diaz, c'est tout le monde qui veut recevoir dans son émission? Tout le temps. Tous ses amis. Non, c'est ça. C'est un autre game. Là. Mm-hmm. Mais c'est ça. Mais sinon, je suis de bonne humeur. Puis si ça avait pas été du AEW, je serais à deux. Là. Oh, wow. Ouais. Je suis plus comme à... Un. Hey, ah ouais. Hey, perdre un à cause d'un burger. Surtout qu'on insultant. Est fan de burger, c'est ouais, insultant. C'est insultant. Moi, j'ai pris le Beyond Meat puis ça a bien passé là. Ah ouais, parce que ça là, c'est tellement bon pour la santé. C'est là. Bon pour la santé. Y a-tu de quoi de meilleur que quelque chose de process là, avec 4000 ingrédients, là, fait en usine par du monde qui s'en calisse de la bouffe là, qui font juste ramasser leurs 15$ de l'heure pour aller se coucher parce qu'ils en peuvent. J'ai pas dit que c'était santé. Il y a de l'amour là-dedans. Hey, c'est emballé dans du plastique. Tu le sais que c'est bon, ça. C'est le même que toute la bonne bouffe vient. Par exemple, la root beer. Top notch. Ben oui, il y avait de la petite glace dessus. Hey, ouais. C'est beau, ça. Mais tu sais, eux autres, honnêtement, le secret de leur bonne root beer, c'est genre le bock fret. Oui. Non, fait non, les autres root beers sont moins bonnes. T'es sûr, tu essayes dans un bock fret? Non, mais je trouve... Non, mais même dans les bouteilles merci. De plastique, elle est meilleure. Hey, fait que non, ça s'applique pas, tu sais. Tu sais, le gars qui fait l'annonce de AEW, là, les Body Burgers, là, ce comédien-là. Celui là. Qui a ri de lui, là, au Bye Bye. Oui, là. C'est ça. Ouais, ouais. Bon, je l'ai rencontré à un moment donné dans une affaire de pub. Dans un AEW. Dans un AEW. Non, puis il m'a dit, « Hey, veux-tu goûter à mon rhum? » Je suis comme, « Aïe, il y a le quoi? T'as un rhum? » Est-ce que t'inspires confiance? Il y a jamais personne qui me parle de ça non. quand je rencontre du monde. Mais là, attends, t'étais-tu dans une annonce de rhum? Ouais. Non. C'est exactement ça qu'il fait, l'annonce de AEW. Voulez-vous goûter à mon Body c'est Burger? Vrai, là, hein? Le monde, les gars, bon, c'est bon. Toi, t'es dans une annonce de rhum, genre. Je le savais en pas. En Espagne, là. Je le savais pas. C'est hot, c'est comme Captain Morgan, pied là. Wow! Fait que là, c'est quand même ouais. bon! C'est hot, bon. Ça. Il est-tu nourri à l'herbe?
Fait que là, finalement, là, je fais comme. C'est, là, quand il dit, écoutez, à mon rhum, c'est-tu le rhum que j'ai acheté ou c'est comme le rhum que j'ai fait? Ouais, ouais, ouais. Fait que là, j'étais comme. Mais j'ai pas posé la question, j'ai fait. Oui. Hey, good party. Le rhum que j'ai fait, c'est inquiétant, non? Ben, en fait. Tu fais ton rhum dans ton garage, moi, je m'en vais. C'est là. Ça, c'est ça. Mais, honnêtement. Mais ça, c'était une belle bouteille, tu sais. Comme ça avait l'air scellé, puis tout, là. C'était comme. Il avait clairement. Il y avait un code-barre dessus, là, tu sais. Fait que j'étais comme, ah, oh, OK. La confiance du capitaine. Mais tu sais, l'affaire, c'est que c'était juste avant un contrat. Ouais. Ça, c'est, alors, c'est bon, il y a un pour les gens qui ont fait le bingo du capitalisme, c'est 38 minutes. Donc, ceux qui ont guessé entre 38 minutes. Donc, c'est... Entre 37 et 39, là. Exact. Ouais. Parce qu'ils gagnent à rien. Non, zéro dollar. C'est le bingo. Parce que c'est non au capitalisme. C'est ça. Donc, là, il me dit, veux-tu goûter à mon rhum? Je suis comme, oui, mais l'affaire, c'est que je m'en vais faire un contrat, tu sais, puis les gens qui m'engagent sont là. Fait que je suis comme, je peux pas boire un shot de rhum juste avant de faire. Mais lui, il se promenait avec sa bouteille de rhum. Ouais. Là, ça... comme, parce que c'est rare, le monde ont ça juste à l'extérieur de chez eux, juste. C'est au parc. Ça, c'est nice. Veux-tu goûter mon rhum? Puis il te donne une petite hose, là. Genre, t'es comme, ouais, non. C'est tout un Eric dans mon sac à dos. Dans mon dos. Allez, ouais. Fait que c'est ça, mais je cherchais comme. Ah, ok, j'ai pas posé de question, j'ai fait, oui, tu sais. Puis là, j'en ai goûté un tout petit peu, tu sais. Puis là, c'était vraiment bon. Pis finalement, c'est lui qui le faisait, qui la recette, puis c'était du rhum à la roue de bière. Oui! Puis c'était vraiment fucking bon. Fait que c'est ça, c'est tout. Mais c'est juste comme assez vraiment étrange que le dude, dans le fond, le V, fait son propre rhum à la roue de bière. Non, non, mais il t'a juste servi un rhum and roue de bière, là. Non! C'était un menteur, ce gars-là! Non! Oui! Non! C'était un mythomane! C'était bon! On n'a pas assez ri de lui au bye-bye! Remettez-le à sa place, les vraies affaires! On appelle la SAQ, il n'a pas le droit de faire ça! Mon rhum, voyons! Ouais, c'est-tu légal de faire son rhum? Ben, je pense que. Hey, puis gars, j'ai rien contre ça, c'est illégal, je fais juste demander. Ben, j'imagine te partir une boutique, non. Non, mais mettons, mais faire ton rhum chez vous. Tu peux faire ton shit chez vous. T'as le droit de faire fermenter tes affaires. Non, mais il y avait un permis pis tout, là. Il y avait un permis de rhum? Ben oui. Il t'a montré? Non! Mais c'est en vente à la SAQ, je veux dire, à m'amener. Ah, oh, son rhum est en vente à la SAQ? Oui! OK, là, c'est parce que, hey, man, il manquait une couple de détails. Mais là. Oui, mais vous posez pas les questions! Ils ont fait rien que ça, investiguer ça. Mais oui, mais vous posez les mauvaises! Mais oui, mais laisse-nous. Après nous ça, c'est nous autres qui est pas bon au Donjon Dragon. Hey! Hey! Tu sais, là. Tabarnak! Mais c'est donc bien weird, cette anecdote-là. Oui, ouais, je sais que c'est weird! On dirait qu'on apprend trois affaires bizarres dans la même histoire. Fait qu'on sait pas. Choisis le mensonge. Ouais, c'est ça. Il y en a pas. Aïe, aïe. Y en a c'est pas. Pour ça que... T'as envie, toi, des affaires spéciales. Ben oui. Mais je pense rien dans ma vie, moi. Mais je pense que... Ouais, mais parce que tu dis beaucoup non, toi. Ben, pis tu comprends pourquoi, là. Regarde où tu te ramasses. Ben oui, mais c'est des belles aventures, non? Je sais pas, là. J'ai pas tant envie de goûter les margaritas du gars des annonces de Pharmaprix, là. C'est moi qui ai fait! Ouais, mais gars, en même temps, t'en fais assez pour nous trois. Ça, c'est vrai. Mais c'est-tu parce que j'ai un imaginaire vraiment élevé ou ces choses-là arrivent pour vrai? Je pense que c'est l'imaginaire, honnêtement. T'es-tu en train de te demander si tu nous mens? On dirait, il s'est demandé à voix haute, c'est-tu moi qui invente ça ou c'est le fun? Mais non, c'est le fun. Non, ah, mais, ça doit être non, mais c'est peut-être pas des mensonges, mais c'est peut-être des mensonges, tu sais, dans le sens que... Okay, là, je sais que c'est compliqué, mais c'est peut-être que... Parce que si je les crois... Moi, je suis à toi, je passerai à la pause. OK. Break time. We'll be right back.
savais pas partout. Quand t'étais jeune, avait des problèmes de violence. Mais est plus jeune partout. Dans le foyer à quatre pattes sur le bord de la boule. Elle filait pas partout. Si la fin du mois arrive avant la fin du monde, elle sera pas prête partout. Fait qu'elle chante rock and roll. Si elle pouvait, elle décrisserait au bout du monde. Mais elle peut pas partir. Pense pas quand elle a ses étudiants. En t'entend pas partir. Elle connaît tout, les tours, les merveilles. Ok, peut-être pas tout. Mais elle chantait rock and roll. Hey, t'es-tu comédien, toi? Ouais? Oui. C'est ça. Non, mais c'est sûr que t'es un bon raconteur aussi. Tu sais, il y a des gens qui vivraient Michel les Barrette, mêmes choses. Oui, pis, ouais, un peu. Ouais. Michel Barrette, qui est au courant de ses coins podcasts là, oui, depuis plus d'un an. Et, mais je veux dire, c'est sûr que t'es un bon raconteur. Des gens qui vivraient la même affaire que toi puis n'auraient pas une bonne histoire à raconter avec, mais ça veut pas dire que c'est un mensonge. Ouais. C'est juste que, tu sais, c'est ça. T'es un comédien, on peut pas suivre tout ça. Ben oui, toi, tes anecdotes sont le fun. T'as pas besoin de dire, ben... En tout cas, fallait être là. Ça finit pas comme ça. Fait que c'est pour ça que tu peux gagner ta vie. Mais de je pense choses que c'est comme ça. Juste comment je les raconte. Parce que j'aurais pu juste dire le dude de AEW fait son propre rhum, puis c'est un rhum à la route beer. C'est vrai, c'est plus puis plate. Puis on aurait fait scoop. Puis là, je me suis mis en situation. Ah, tout ouais, ça. T'étais là. C'est ça. Bon. C'est passé des affaires. Puis là, toutes mes réflexions pendant ce moment-là. Puis gna gna gna. Aïe, aïe, aïe. Mais oh, moi, je dois dire. Ça m'a intrigué, les margaritas du gars de Farmapé. Est-ce que c'est... Je sais pas. Quelque ben, chose qui se peut... Je faisais, tu sais, comme les mélanges de margaritas déjà faites, là, c'est, alors, c'est, ah ça, ouais. C'est toujours ah comme... Ah oui.
ça là. Dans le fond, tu peux faire toi-même, tu fais quoi, les mettre au congélateur ouais, pour faire ouais, okay, ouais. Mais j'imaginais qu'il faisait comme son propre mélange, tu sais, scellé puis tout le temps il est fait. Puis ça c'est jamais de très juste bonne du qualité. Sucre, là, tu sais les clés, les ouais, les clamato, ah, c'est vodka, ouais. Là, tu sais, ah, ça je suis pas capable ça. Non, mais c'est pas supposé là, c'est ça, t'es pas supposé être capable. Ah, ça c'est rough. C'est pas fait pour être bu. Non, c'est ça. Il est pas écrit dessus buvez ça, c'est juste il y a ça d'une canette, faites ce que vous voulez. Ouais. D'autres on les vend, c'est peut-être pour décorer, c'est peut-être pour c'est comme vous souvenez-vous le fucked up, c'était quoi déjà? Hein? Tu sais, c'était comme de la boisson full énergisante, là. Ah, comme les faux locaux, genre? Ouais, les faux locaux, mais c'est de la fucked up. Mais là, ils ont arrêté ça à cause des jeunes mouraient. Oui, c'est ça. C'est moins bon, hein, ça, quand les jeunes meurent. Ouais. Ouais. Julien Bernatchez qui avait fait la campagne de pub de ça. je me souvenais pas de ça. Ouais, ouais. C'était-tu genre... délicieux? Quelqu'un dit que c'était délicieux? Non? Ou la pub était délicieuse, je sais pas. Ah, c'est ça, non, ça se peut, mais c'est pas grave, ça a le droit d'être. Mais c'est juste, c'est quoi, c'était full d'alcool, c'était genre très fort en alcool. Ben c'est genre, ça fuckait bien raide, là. C'est parce que tu t'en rends pas compte, ça goûte le jus, pis là, t'en bois plein. Moi, j'ai jamais goûté à ça, honnêtement. Moi c'était non plus, après, comme. J'en même pas une Four Loko, là. J'ai même pas bu ça. Mais j'avais pas le bon âge, je pense. Non, mais je pense que ça te saoulait vraiment intensément, pis ça te fuckait vraiment, là. Est-ce qu'il y a du monde qui en a bu de ça ici, mettons pas? Est-ce que ça fuckait vraiment beaucoup? Ouais, c'est ça. Là. Tu sais que le monde va bien quand même quand on a besoin d'une affaire qui nous fuck vraiment beaucoup. Ouais. On ouais, est c'est tout ça, complètement sur la sauce. Toi, c'est quoi ton affaire qui te fait comme juste plus être là? Ouais, mais que tu meurs ouais. pas non plus. Mettons, ouais. On essaie juste de... Comme... C'est pas permanent, mettons. Ouais. Là. Je veux juste perdre la moitié de la vision dans un œil puis mon sens de l'équilibre. Mais le reste, j'aimerais ça le garder. Ouais. Hey, l'écran... Ben oui. Ça me fait yeah. Okay. T'as-tu pogné un petit stress, là? Ouais. Ouais. Parce que t'as vu l'écran tomber en veille? Ouais. Puis là, tu t'es dit, leur dire, Fermont, t'es plus, on a plus l'épisode. Mais ouais. bonne nouvelle pour ça, c'est que pendant que t'es occupé à stresser sur d'autres choses, j'avais déjà testé ça. Wow! Mais je pouvais pas te le dire. T'es l'anxieux du passé. Ouais, ouais, là, ouais, oui, il y a comme là, toi, tu la repognes, mais en rebond, là. Ouais, on se partage la même angoisse depuis... Tout le monde est super anxieux dans la vie. Je pense qu'il y a... Y a-tu quelqu'un qui est zéro anxieux, mettons, dans la salle? Zéro anxieux, wow! Ben zéro, c'est peut-être beaucoup, mais mettons, tu sais, moins que 10, ça serait, tu sais, sur 100, là. Si t'es moins que 10 sur 100 anxieux, t'es... Genre, ouais, parce que ça en prend un peu, sinon tu te fais frapper en char. Ouais, ouais, non, c'est jour, ça, c'est ça. Je pense qu'il y a eu une personne qui a levé la main, ou peut-être deux. Ben, en même temps, en étant tant mieux. Y'en a pas sûr, comme ça. Ouais... Ben peut-être c'est juste gênant si tu te rends compte que t'es un peu tout seul, peut-être. Puis là, tu fais comme, les gens vont-tu genre m'attaquer? Ouais, mais t'as l'air comme une rencontre, ouais. Comme tout le monde ils m'en comme... veulent. Ah, oh, c'est déprimant. C'est... Ben moi, ça va super bien! Ah non, moi, je me couche, puis je m'endors tout de suite. Ah, oh, je dors longtemps, puis bien. Ah, puis je me réveille, là. Oh. En forme, en santé, mes cacas sont beaux. J'ai le matin heureux. Ouais. Ouais. Moi, j'ai le matin ouais. heureux. Toi t'sais... aussi, t'as le matin heureux. Moi? Ouais. Lui? Yes. Si, boire. Non, mais je l'ai appelé un matin, mais il était comme ben bonjour. Non, j'essaye. C'est mon premier contact à part. Il y avait genre un couteau dans les mains. Fait là. Que t'as fait genre bonjour. Tabarnak. Non, mais j'ai. J'... Bonjour. Non. J'ai juste fait. C'est que ça me. J'avais pas encore d'énergie, j'étais pas éveillé, j'avais pas bu de café. Moi, là, mettons, là, genre. Mettons, là. Je me réveille pas pour une entrevue à la radio. OK, puis là, il m'appelle au téléphone. Réponds-tu bonjour. Oui, allô, comment ça va? Puis je suis super heureux. Genre, la seconde, je me réveille. C'est comme. Hello world! Tu fais ta petite. En fait, c'est que. Je, ça pourrait. J'avais pas besoin de jouer de jeu avec toi ou whatever. Mm. Tu sais, t'es comme. Fait que je peux juste être. Ouais. Pas besoin quoi? De mettre ton masque. Hein? On porte tous des masques. On porte un masque. Et le film Le Masque. J'ai plusieurs masques. Plusieurs masques. C'est un masque. Ouais. Ouais. C'était ça d'ailleurs, la. La métaphore. Le convoi aujourd'hui. Ils veulent qu'on arrête de porter un masque. Ils veulent être vrais. Ils veulent être vrais avec le monde. Ouais. Ça, c'est moi. Je comprends rien. C'est comme quand Jim Carrey, il pogne pis... Laissez-moi rien comprendre! S'il vous plaît! C'est tout. Ah oui. C'est, mais là, d'ailleurs, c'est comme... C'est ça, en plus, c'était drôle parce qu'on était... Je sais pas, on est-tu passé par l'Ontario? J'ai pas trop compris, là. Moi, ah, j'ai compris. Ouais. Ouais, oui, ben on a monté ça à 417. Parce que quand on est arrêté pour manger, y a, personne portait un masque. Puis là, on s'est comme en disant, OK, ouais, je pense qu'on est de l'autre bord, puis là, personne porte de masque parce qu'on est quand même habitué. Je comprends pas les règles provinciales. Là, c'est pas grave. Mais c'est juste que... Ce qui est drôle, c'est que là, ils passaient, là, puis là, t'es comme... Mais on porte même plus de masque, comme, je comprends pas. J'avais le goût d'aller voir, puis faire... Hey, vous portez pas un masque? Puis ils font comme... Non, pourquoi? Aïe! Les chutes bottes à Trudeau! Hey, mais qu'est-ce que tu fais, bro? T'attends que le gouvernement te dise quel masque tu peux porter? Aïe! Pas mal suiveux!
En tout cas, moi pis mes chums, on va mettre notre masque. Ouais. Hey, on est pas avec vous autres. Hey, pour du monde libre, vous avez tous l'air pas mal pareil, hein? Exact. Là, ils sont tous mêlés, là, comme ailleurs, qu'est-ce qu'il faut faire, là? C'est ça, c'était ça mon rêve. Mais finalement, on n'a pas été les voir parce que ils ont l'air comme simili-dangereux quand même. Ouais. Comme il n'y a personne là-dedans que tu as le goût qui garde ton fils. Tu sais, mettons, c'est un peu comme oulala, OK? Ils ont tout hâte de rider sur l'autoroute dans la boîte du truck, on dirait. C'est ça. Comme... c'est ça. Mais ça, ça serait peut-être pas mauvais pour nous, là. Honnêtement, une couple de petits rides de coffre. Hein? Juste écrémer la population. Okay? Hop! Hey, on parle de même, bonjour. Écrémé, on a le droit. On a le droit, c'est ça. La police nous l'a dit. hey, oui, moi j'ai un erratome à faire, mais un erratome d'un épisode qui est même pas sorti. Fait que là, faut tout que j'explique. C'est juste que le dernier épisode, on était commandité. En fait, l'épisode était une présentation du sexe. Oui. Oui, commandité par le sexe. It's a thing. Puis. On parlait juste de ça après, puis je disais, tu sais, le sexe, c'est le fun, c'est gratuit. Puis je repensais à ça, puis j'étais comme, le sexe, c'est pas gratuit. Là, ben, c'est ça. Moi aussi, quand je le montais, j'étais comme, ouais, c'est comme. C'est une question de trotte. C'est comme bizarre. Ben, t'sais. T'as un, mais il y a aussi, il y a le travail du sexe qui est 100% un travail, puis c'est ça. Puis là, même après, ça me faisait réfléchir à ça, puis je disais, OK, mettons, là, on n'est pas obligé de rentrer dans les détails, mais tout le monde, pas mal, écoute de la pornographie, tu sais. Puis. J'ai comme l'impression que les 15 dernières années, c'est comme ça a été la domination de la pornographie amateur là, sur Internet. Là, le monde aime ça, c'est plus réel, c'est plus ça. Puis là, tu te rends compte finalement, parce qu'on dirait que personne ne pensait à ça au début, que le trois quarts de ça, c'est des revenge vidéos, c'est du monde qui sont même pas consentants à ce que leur vidéo soit là. Puis là, à un moment donné, tu te dis, moi, je suis supposé regarder ça pour avoir du fun. Puis fait que dans le fond, il faudrait payer pour notre porn. Ouais. Ça serait la chose plus... c'est plus intéressante à faire. Je veux dire, pourquoi tu ne paierais pas quelqu'un pour ce travail-là de toute façon? Puis en plus, si ça peut aider à ce qu'il y ait justement peut-être moins d'intérêt sur Internet pour des vidéos volées ou de monde qu'on sait pas s'ils veulent être là, tu sais, c'est dur un peu d'authentifier qui est la personne qui upload ça. Ben, faut que tu checkes, faut qu'il y ait un code barre, là. S'il y a un code barre! Mais tu sais, si les ça gens. Ça peut être dur à voir, ça bouge beaucoup. Tu sais, parce que c'est ça, si les gens qui faisaient de la porn faisaient des shows, on pourrait acheter des t-shirts, des, tu sais, des vinyles. La merch. La merch de, la porn, merch de monde tout nu, il y en a. C'est comme il y a moins ça, de. Y en a pas, là, de ça. Non, mais ça, pour ça, ça me fait juste. Fait que donc, le sexe, c'est pas nécessairement. Je pense que ce que le sexe, qui est notre commanditaire, essaie d'exprimer, c'est que, tu sais, dans les faits, on a ce qu'il faut pour. Je veux dire, t'as pas besoin d'acheter quelque chose, tu sais, nécessairement pour pratiquer le sexe, pour le pratiquer, mais, tu sais, sous d'autres formes, il y a quand même moyen que ça soit. Oui. Pas gratuit, puis je pense que c'est correct. Pourquoi ça serait gratuit en plus? Tout le monde capote là-dessus. La moitié de l'Internet, c'est ça. Ouais. Ben, il y en a qui veulent la donner, tu sais, comme les communistes du sexe, là. C'est qui, eux? Je sais pas, il y en a. Écoute, si tout le monde est gratuit, si le monde entier est gratuit, si on abolit le capitalisme, on peut 100% avoir le sexe gratuit aussi, le temps que tout le monde est taken care of puis que ça va, là. Il n'y a pas de nécessité de. Mais tant qu'on vit là-dedans, je pense qu'il faut arrêter de consommer de la porno. S'il y a des gens qui font de l'argent avec le sexe, c'est ceux qui font le sexe. Mm-hmm. Pas les autres. Des genres de rations de sexe, peut-être, ça pourrait être comme fourni par le gouvernement. On nationalise le sexe! Ben ouais, moi je serais comme... Nationaliser le sexe, c'est une bonne idée, ben. Tu sais, comme... Puis en plus, on prend... panier bleu, on pourrait encourager nos pornographes québécois. Les sexes d'ici. Oui! Yes! Le sexe d'ici. Oui. Yes! Ici, c'est les sexes à la graine, ça... Ici, on vient en français! Yeah! En français, s'il vous plaît! Le sexe d'ici! Ouais! Comme ça. En tout cas, fait que c'était tout, je vais juste parler de ça. Ben ouais, écoute, juste, c'est un bel erratum. J'ai-tu un erratum à faire? Non, toi, tout va bien, là. Ben, t'es fait à mesure, toi. L'angoisse te fait faire les erratums pendant que tu parles. Ah, c'est vrai. Ah, j'avais noté quelque chose, mais tu sais, là, faut que je la sorte, là. Qu'est-ce que tu ça? Les toasts, c'est une sandwich avec juste un bar. C'est une open sandwich? Ouais. Ah ouais. Je suis d'accord avec ce que t'amènes. Par contre, je pense qu'on le savait tous déjà. Ah ouais. Mais non, parce que c'est pas considéré comme étant une sandwich. C'est sûr, parce que c'en est pas une. Non, mais ça le devient quand tu la plies, par exemple. Non. Comment ça, non? Ben, c'est vrai. Ben oui, ben si tu plies une pizza, ça devient pas une sandwich. C'est juste une pizza pliée. Comme. C'est une calzone, genre? Non, sauf qu'elle soit toute fermée. OK, mais d'abord...
OK, fait que si tu coupes ta toast en deux puis tu plies, ça devient un sandwich. Là, c'est un demi-sandwich. Quand c'est un half-pipe, c'est pas un sandwich. Non. À limite, c'est presque un hot dog. OK, mais un pita. T'es sur le bord. Ben oui, mais un pita. Un pita, c'est un pita. Ça rentre pas dans le pita, là. Ben oui, mais un sous-marin. Ils disent, artistes du sandwich, c'est un pain en U, là. Sous-marin, ben, en fait, c'est le ratio. Le fond est très proche d'être ouvert, là. C'est juste... C'est ah, parce qu'il est mince. Il est mince, fait qu'un ratio. Aïe, aïe, OK, fine. Ben, il y a une différence entre le dessus et rattaché au-dessous, puis c'est la même affaire, tu sais. Ouais. Vous êtes tellement psycho-rigide, là. Pas rapport. On essaie juste d'être raccord. Même une sandwich ouverte, ça se peut-tu? Ben, on dirait que c'est parce que le principe même de la sandwich, c'est d'être fermé. C'est les mêmes ingrédients! Ben, jamais je fais... Une soupe congelée, jamais... c'est pas une soupe! Ben... Mais tu te fais-tu des toasts BLT? Tu sais, là, t'es comme... Qu'est-ce tu pourrais! Oui! Tu pourrais! Oui! Ray! Oui, on pourrait faire tout le temps! Ray! Ray! Mais tu le fais pas! Ben, des fois, quand mettons... Non, quand il te manque pas. Une toast? Non. Non, mais je comprends, mais je pense que t'es allé trop loin. Ouais, ouais. Des fois, toi, ça va trop loin. OK. Toi, t'es libre comme un chien, tu comprends? Toi, tu pars, tu cours dans le champ, il y a rien qui t'arrête, mais des fois, il faut qu'il y ait quelqu'un qui dise « Hey, rentre, on vient manger! Ouais, » Je le seul bois. Ça fait pas toi un mauvais chien. AEW, ils vendent des hamburgers pas de pain. Puis là, tu mets ça dans une salade. C'est délicieux, OK, sincèrement. Est-ce que ça reste un burger? Attends, non. Là. De qu'est-ce que c'est? Ils te vendent un hamburger pas de pain qu'ils mettent dans une salade. C'est une salade, ça! Non, c'est un hamburger! Mais oui, c'est une salade! Non. Tu viens de le dire! Non. C'est une pocket salade! Mais c'est comme un hamburger, mais salade. C'est un salade burger. Ça, c'est eux autres qui disent ça. Eux autres mentent. C'est pas mais un oui, burger. Tu te fais mentir, là. Tout c'est ça. T'écoutes AEW. Écoute-les pas, là. Ils disent que c'est de la nourriture. C'est pas vrai. Je te le confirme. Yeah, le gars dans l'annonce, il fait son rhum. Exact. À Root Beer, tu vois bien que c'est tout interconnecté. Ah oui. Il y a quelque chose de louche là-dedans. Il nous mente. Ah, et moi, il faut que je dise de quoi aussi. Je pense que je n'ai pas parlé de ça. Puis c'est niaiseux parce que, tu sais, des fois, je prends des notes de je veux vous parler de quelque chose. Puis là, je n'en parle pas. Je vous vois dans la vie. Puis là, je n'en parle pas parce que je vais en parler. Puis là, je l'avais oublié pendant longtemps. Wow. Fait que là, puis là, je l'ai retrouvé. Fait que c'est un vieux scoop. Là. Saviez-vous ça? Ben, je pense. J'espère que je n'ai pas parlé. Peut-être que j'ai oublié ça aussi. Là, en tout cas. Mais. Biz de Locolocas. De Locolocas est à TVA Sport maintenant. Ouais, hein? Oui. What? Hey, ça, c'est un drôle de moment. J'avais l'impression, genre, qu'un personnage de Watatatao s'était échappé de la série. C'est comme un homme de 45 ans, déguisé en ado, qui te parle de football avec, genre... Je comprenais rien. J'étais comme, fait c'est qu'est-ce que... Ben, il parlait, me semble, de... Écoute, je ne suis pas resté là longtemps. Là. C'était pas... Dommage, mais... j'étais le seul qui pouvait y aller pour nous ramener c'était ça. C'était weird. Je comprends pas qu'est-ce qui est arrivé. Dans toute l'histoire de Biz, je comprends pas. Est-ce que tu penses qu'aujourd'hui, Tupac décrirait les matchs genre de mini-potes? C'est ça. Je pense pas que Dédé y aurait fait ça, en tout cas. Mais Dédé, il y a bien des affaires qu'il voulait pas faire. C'est exactement pour ça qu'il était pas très de bonne humeur. Mais c'est juste, c'est weird. Quel? Mais non, mais c'est poche, tout ça, comme je le comprends, Dédé. Voyons là. Mais c'est ça, c'est parce qu'il voulait pas être à TVA Sport. C'est ça. Ouais. Dédé, il était comme bien à TVA Sport, il était comme ça me tente pas. C'est ça. Vas-y, commence les week-ends. Juste les week-ends, tu vas avoir juste un 5 minutes. Dédé, un pays puis un match de hockey dans la même soirée, Dédé. Yeah, yeah. Quiz is coming back. Oh, quiz is coming back. J'aime ça, ton drummer, il a pas l'air d'être sûr sa double pedal. Là. Il est un petit OK. C'est un peu simple, hein, ça, quand même, comme beat. Fais-nous quelque chose de plus actuel. Ah ouais! C'est... Everybody in the house say how you doing? I'm doing two on the tree is KLG. If you love me like I love you, baby, you know what you got to do. J'aime ça parce que oui. Parce que, tu sais, il y a
tu vois des guitaristes des fois faire des faces en faisant des gros solos. Lui, il a la même face que ses solos. Mais un doigt! Comme, j'appelle ça la finger face. Ouais. Il y a un doigt. C'était un one finger solo. C'était cœur, mais ça a l'air de te faire du bien. Ben, c'est le fun, là. Ah ouais, oui, c'est le fun. Ah ouais, c'est le fun. Il pense quasiment pas au gars qui l'a acheté pas assez cher. Hey, puis check les sons de guitare là-dessus, mon chat. Ça, c'est une guitare. Nylon guitar. Non. Oh, là, elle est haute. Hein. Ça, c'est une petite guitare, celle-là. Flamenco. Non. Que depuis, ça, c'est depuis flamenco. Tantôt, là, tu joues pas pantoute dans le 1000 piastres là-bas. Là. Non. Non, mais l'affaire, c'est que ça, c'est. Là, ça, tu vois, ça, c'est rien que ça, c'est 1000. Mais ici, c'est 2000. Oui, mais c'est 2000, puis ça rentre jusqu'à là, mais les touches sont full plus lourdes, sont comme en piano. Puis là, c'est full lourd. C'est en dents d'éléphant. Hein? Ben oui. C'est toutes des dents d'éléphant. Oui. C'est lourd, lourd, lourd. Oui. Ont-tu des dents, les éléphants? Non, mais mettons l'ivoire, c'est-tu comme plus des ongles ou c'est plus comme des dents? Ben, ça peut être un peu difficile de marcher avec ça. Fait que si, mettons que à place des humains, c'était tous des éléphants, il y aurait des dentistes, mais aussi des genre de défensistes un peu. Genre des dentistes de défense, là. Mais ça, c'est plus comme du body shop. T'sais. C'est pas tant, c'est dehors, tu chaînes un peu. Il y aurait peut-être des caries là, de ben, défense. Il doit moins en avoir, justement, parce que t'es comme c'est pas dans la bouche avec. Mais ils mangent pas de sucre. C'est là. Ça, là. C'est top, ouais, ça aide aussi, hein. Moins de Snickers. Ouais, ouais, c'est ça. Et voilà. La bubble gum avec avait, ça, là. Il y avait une polémique que les Snickers allaient enlever les gens de veines de pénis, là, sur les. Ben, c'est que les gens appellent ça la veine de pénis. Eux autres, ils disent pas. Non. Notre veine de pénis Snickers disparaîtra au mois de juin, là. Ouais. C'était vraiment. Non, mais. Okay. Vous avez déjà mangé. Bon. Si vous avez déjà mangé une Snickers, vous êtes au courant, là. C'est juste qu'il y a effectivement l'air d'avoir une veine sur le dessus. Ben oui. Puis il y a des gens, des petits rigolos, devaient être en humour. Ils disaient que ça ressemblait un petit peu à une veine de pénis. C'est vrai. J'ai jamais remarqué de veine de même sur mon pénis. Moi non pas. Plus. Mais non, tu sais, quand t'es bandé carré, là. Non? Non! Hey, soit! Bandé dans un espace clos. Ouais. Mais c'est bon, les Snickers. Hein? Mais là, c'est ça. Mais pourquoi? Ils ont annoncé qu'ils allaient faire disparaître la ligne. C'est non, ça, j'ai non, pas non. Compris, là, on dirait que tu as lu l'Internet comme ma mère. Là. Ouais, ouais. Je pense que la joke était par rapport à, tu sais, les M&M, là, à un moment donné, comme, il y a Madame M&M, whatever, puis le monde était comme, il y a eu un shit avec ça, de Monsieur quoi, M&M, là. Comme sexualisé. Ah oui, c'est ça, puis il allait le désexualiser, puis le monde était comme, what the fuck, c'est quoi? Fait qu'en joke, ils ont répondu, ben, si on va enlever la veine de pénis sur la Snickers, est-ce que ça va vous déranger? Mais c'est vrai que c'est weird, imagine ton combat d'envie, c'est de dire, moi, là, je veux que la fille M&M soit sexualisée. Tabarnak! Excuse-moi, t'es plus invité au barbecue, là. Genre, qu'est-ce qui se passe? Man, quelle émotion tu vis au dépanneur! Ouais. Toi, genre, comme... Aïe, il y a une annonce d'M&M, t'es bandé. Qu'est-ce que c'est pas supposé, là? Chill avec out, son man. Beau petit rouge à lèvres. Ouais, oh non! C'est un M&M! Est-ce que tu es elle a que genre deux jambes, deux bras, puis après ça, c'est genre une pastille. Ah oh, ouais! Si que c'est. Elle est toute en curve! Ah oh, ouais! Oh. Je la ferai fondre! Ah ouais! Hey! Voyons donc! Aïe! C'est pas c'est normal! Là. Non, c'est pas normal. C'est pas supposé. Mais c'est peut-être que c'est comme un méga fan de M&M fille, il y a comme plein de posters, il y a les cartons, tu sais, les cartons grandeur nature comme au cinéma. Oui, le manoir, Madame M&M! Ouais. Elle cap de tes chums! Ouais. Wow! Il y a les filles M&M! Aïe! Si, avez-vous déjà mis des M&M dans votre popcorn? Non. Ben, ça doit juste se retrouver dans le fond. Du oui, non, non, non! C'est méga bon! Oh, dedans, avant de le faire, papy! Non, 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 non. Fais pas ça. Décourage. Je sais pas, là. Tu vas au cinéma, tu pognes un sac de popcorn. Parce que tu peux pas faire ça chez vous. Ben non, ben non. Pense-y même pas. Non, as-tu déjà regardé ton garde manger? Il n'a jamais popcorn. Il n'a pas de popcorn. C'est dangereux, le feu. Puis là. Ah, JF, il a tellement peur de faire chauffer de l'huile. J'ai réalisé ça l'autre fois. Excuse-moi, là, je te coupe. Mais vas-y, vas-y. L'autre fois, il me dit « Ah, j'aimerais tellement ça avoir de l'huile épicée. » Ben, c'est facile à faire, ça. T'as une recette. Tu mets une coupe d'épices, tu mets de l'huile, tu fais chauffer de l'huile, tu verses dedans, puis t'as de l'huile épicée. Puis il était comme « Ah, je peux pas faire ça. » J'étais comme « Pourquoi? » C'est dangereux. Là. De... comme de faire chauffer de l'huile, j'étais comme oh, mais là Chris, t'en fais pas un camion là, t'en fais genre non mais aussi tu vas tasse. Capoter mais que t'apprennes ce qui se passe dans le moteur du char là, qu'on était dedans tantôt là. Oh ouais.
Oh, ouais, ouais, là, ça infuse, là. Non, ça bouillonne, genre. Hey, ça n'a pas le temps. Mais c'est ça, là, j'étais juste, mais tu sais, c'est pas... Je comprends, c'est sûr qu'il faut faire attention, là, tu sais, quand on fait chauffer de l'huile. C'est vrai, faut pas que tu sois non plus comme, hey, je pars, tu sais, je fais n'importe quoi. Non, mais si t'as check, pis tout, il n'y a pas de danger, là. Peut-être qu'à un moment donné, j'ai vu comme un feu parti. Non, j'ai jamais vu ça. Juste peur. C'est ça, je te dis, il fait des auto-erratums super vite. Non, ouais, non, mais ouais, mais tu sais, on dirait que c'est genre 10$ à l'épicerie. Ah, en même temps, s'il n'est pas chauffé de l'huile et être stressed out la d'accord. soirée, c'est une mauvaise soirée. Tu sais, comme j'ai acheté les épices pour la faire, l'huile épicée. Puis là, j'ai fait, ah, oh, faut faire chauffer l'huile. Puis là, je suis comme, non. Gars, tu m'y donneras, je vais te la faire, ça va me faire plaisir. Je veux pas que ta maison brûle. Mais il y a quelque chose, moi, qui me fascine là-dedans parce que. Parce qu'on est super pas bon dans rien. G, il speedrun tout, mais il y a des affaires qui sont super slow run. Comme ouais. Là, il y a les épices, puis il peut pas le faire chauffer l'huile. Mais il y a d'autres affaires, c'est comme j'ai appris cette semaine. Le karaté. De l'arc, ouais. Ouais, ouais. Wouh, maintenant, je fabrique mes flèches. C'est l'affaire que je préfère. Bon, cette année, j'ai tout vendu. C'est ça. Mais là, ouais, dis-nous pour le popcorn ou M&M, là, qu'est-ce qu'il faut faire? Tu fais juste le mettre dedans. Puis pourquoi c'est quelque chose? C'est bon parce que t'as comme salé, sucré, popcorn, ça pogne les dents, chocolat, miam. Ouais, mais moi, je comprends juste pas spatialement ouais. Dans l'emballage. Il est plus lourd. Il reste non, lourd. Non, il pogne. C'est parce que c'est comme. Le popcorn, il est comme. C'est comme faire du. Il fait comme du body surf, là, le M&M, sur le popcorn. Tu comprends-tu? Ouais, ouais. Fait que c'est ça. Ben, c'est parce que j'essaye. Moi, j'ai juste mes souvenirs de, tu sais, le caramel là, sur popcorn avec des peanuts, là, comment ça s'appelle? Il y avait des Cracker Jack. Puis, tu sais, les peanuts, c'était limité ce que t'avais tout le long, là. Il y avait ouais, comme, ouais, à un moment donné, tout fond, était ouais. Comme là. Oui, mais fait ça, que c'est mal dit... fait, là, ça, là. Non, je te le dis, ben, ça marche. C'est vrai qu'il y a du manutention. Tu fais juste le brasser comme ça, puis tu sais, comme, tu brasses pas ton popcorn dans la main au cinéma, là. Hey, Chris, tu, après, tu brosses un peu de même, puis après ça, tu pognes des bouchées, tu vas toujours en avoir, là. C'est bon, 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 je vous le recommande, vraiment. Puis là, tu sais, moi, je me disais, oh non, je vais gâcher mon popcorn, tu sais, mais essaye-le rien qu'une fois. Moi, honnêtement, j'aurais peur de gâcher mes M&M. Ouais. Mais non, mon père, tu les pognes un par un, là. Hey, Skittles, popcorn, Arque. Ça, faut pas que t'aies envie d'avoir accès Skittles, à tes dents, popcorn. Là. Genre, il n'y a plus aucun espace de dents disponible. T'as deux dents. Une en haut, une en bas. Tous les trous sont remplis par des Skittles pis du popcorn. Oh, c'est du choix, Stéphanie? J'ai mis mon chandail rouge. Chez moi, la date. Les jeux. Les Skittles, là, j'aime ça, mais c'est comme un travail d'Hercule. C'est un des tu sais, genre, t'en manges 6, puis là, t'es comme, aïe, je suis pas capable, ma bouche est passée en les forme. Skittles, ça aussi, faut pas avaler le jus avant le Skittle. Quel sinon, jus? Hein? Le quel jus, jus? Le jus du Skittle. Ta salive? Ouais, mais comme, ouais. Mais parce qu'il y a pas de jus dedans, là. Non, je sais, mais comme ça va comme créer du jus de Skittle. Mais pourquoi faut pas l'avaler avant? Tu t'étouffes, mon gars, là. À cause du, oui, là, ouais, OK, là, je comprends, okay, oui, OK, ouais, là, ouais. C'est fucké, ça fait comme du jus là. Faut comme t'avales le Skittle en même temps que le jus du Skittle. Tu sais, rendu là, mettons, là, si t'avais été un des premiers biologistes et t'étais tombé sur des Skittles, t'aurais jamais dit à la tribu, faut pas t'avales le jus avant, t'as juste dit, ça, mangez pas ça, c'est épouvantable. Ouais. Hey, ça fait du jus, puis là, on touche pas à ça. J'étais allé sur les îles Galapagos, il y avait des gros Skittles là-bas. Peut-être on a trouvé ça, mais faut pas que tu manges. Touche pas à ça. Là, tout est comme, mettez ça dans le popcorn. Non, mais. Des fois, il y a des aliments que je mange que je fais « oh, je devrais pas les manger, mais je suis comme pas capable de m'arrêter de manger. » Puis on dirait qu'il y a comme un côté de moi qui se fait mal puis qui aime ça. Comme. Oh, tu découvres un petit côté… Kinky. Non. Mais c'est toujours des aliments, là, pas comme des métaux. Ouais, c'est ça. Tu manges pas des cartes postales. Non, c'est pas ça. Okay. Des petites boules de papier de toilette ou… Non, deviens pas ça. Ah oui, manger de la mousse des divans, là, non. Ben tu sais, je vais t'accepter quand même, mais ça me tente pas, là. Non. C'est mon ami, il est fin, mais il mange des petites boules. Ben de ouais, je t'en achèterai pas, des petites boules. Tu sais, là, quand les points Pepsi, vous souvenez-vous des points Pepsi? Qu'il y avait dans cap? Ouais, tu sais, ouais. Là, j'ai gagné une serviette, puis cette serviette-là, je l'ai mangée. Mais je l'ai pas avalé, par contre. Je comprends rien. T'as fait comme une gomme, tu t'en es juste comme... Je prenais ma douche, puis là, comme j'en mastiquais les bouts, comme les coins... C'est pour ça que mes canines sont full pointues. À cause d'une serviette Pepsi? Ouais.
J'aurais jamais deviné. Le dentiste non plus. Non, mais ouais, j'ai comme... Elle t'a le fun à mort, tu sais, comme... Tu sais, des fois, quand t'as une gomme un peu plus dure, là... Toc! Toc! C'est le fun, ça. Non, c'est ça! Ça, c'est toi, ça! Je... Ben non! Ben vous... non, les... Tu sais, la gomme dure, dure qui est pas... Non, moi, ça me fait peur. Non, non, mettons, tu manges une Trident, puis elle devient comme ben, ben dure, puis là, t'sais, t'as mort, puis elle fait comme... Tu sais, elle pète. Non, ça... Ben, tu manges une Trident, puis elle devient tellement dure qu'elle pète. Ça fait combien de temps que t'en manges? 2h30, genre. Je pense que t'allais dire comme 2 semaines, parce que honnêtement, ça arrive pas. OK, toi, elle vient dur dans ta bouche. Ah, OK, quand c'est comme compact. Elle est devenue compact, puis là, tu sais, comme ta pète. Moi, une gomme, pour de vrai, c'est genre 25 minutes. Moi, c'est, honnêtement, c'est 25 secondes. Ah ouais. J'aime pas ça, la gomme. C'est super frustrant. Il n'y a rien au bout de ce travail-là. Ah, moi, j'adore ça. On dirait que c'était le fun dans les années 30. Ouais, c'est là. Ça. Quand t'avais rien connu. Ouais, ouais, ça fait 2 semaines, j'ai le même caramel. Veux-tu le sentir? Ouais, 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 tout, ouais. Mais... C'est ça, genre d'affaire, tu peux remettre dans ta poche quand t'as rien, mais tu sais. Oh, il y a un cheveu dessus, yes. Hey, ça, c'est ma gomme de ce mois-ci. Non, mais la double bubble, tu sais, les grosses gomme de chiqueux, là. Les tapes, là, ou de chiqueux. Même si elle goûte plus rien, moi, j'aime ça mastiquer, j'aime ça. Comme ben genre. Après, j'ai mal. Ouais, genre, c'est ça. Je suis comme, pourquoi ça fait mal? Ben oui, mais c'est comme si je suis allé au gym de la bouche. Ouais, mais c'est ça, après ça, j'ai l'impression que ma petite tête est en forme, puis tout ça ici, non. M'a donné la mâchoire bien carrée, là, tu sais. Ouais, mais à la fin de la journée, faut que je mange quand même, puis là, je peux plus parce ben que je suis comme épuisé. Soupe Lipton. Potage. Lui, il soupe à la paille parce qu'il a tout passé son énergie sur une gomme. J'ai cassé une gomme, on mange la soupe. On va me faire un smoothie. J'ai hâte que la gomme soit aux Olympiques. Ouais, j'ai peut-être une mâchoire très forte. Ouais, ouais. Ouais, ouais. Ben, c'est comme une place que ça donne à rien de faire ça. Il y a déjà les crocodiles, les enfants, là, on n'est pas bon là-dedans. C'est vrai, c'est ça, tu seras jamais meilleur. Je suis allé chez le dentiste il n'y a pas si longtemps. Okay. Parce que mes dents... Est-ce que j'ai parlé de ça, que mes plombages avaient explosé parce que j'étais stressé? J'ai pas parlé de ça. Okay? Non. Viens que je le sais plus, là. J'ai-tu vu le film? Non, c'est que je pense que genre je me craque beaucoup le cou, puis là, ça a comme fait de la pression sur ma mâchoire, puis mes plombages ont explosé. Attends une minute, là. Back it up. Hey, c'est parce que moi, je le vois juste faire comme check. Non. Non, mais d'un, tu te craques beaucoup le cou. Ouais. Pourquoi tu fais ça? Comme un tic nerveux? Ouais. Mais je t'ai jamais vu faire ça. Je le fais dans mon lit. Puis là, t'es-tu capable, mettons, de te craquer le cou? Ben. Ouais. Comme ça. Mais ça fait pas comme cruc! T'sais, ok, c'est, ok. C'est des petits crunchs, là, en arrière. Sauf là. Que tellement de petits crunchs que ça fait de la pression sur ta mâchoire au point de t'exploser les plombs. Mais semble que ça se peut pas, là. C'était non, mais qui le dentiste? Fait... Étais-tu au couche-tard, lui aussi? Tu l'as rencontré dans le parking? Non, mais en fait, honnêtement, c'est que, genre, avec ma machine à dormir, il y a de l'air qui sort de ma bouche, puis je pense que j'ai commencé à, comme, à croquer bien fort. Fait que là, à un moment donné, je me suis réveillé dans la nuit, genre, aïe, aïe, donc, tabarnak! Comme si t'avais croqué. Ouais, super fort, puis là, ça a tout pété. Je me suis réveillé. Ouais, parce que pour les gens qui savent pas, t'as une machine pour dormir, pour mieux respirer, pour amener du sommeil. Ouais. Mais ça fait qu'il y a toujours du vent qui sort de ta bouche. Fait que si, mettons, Jean-François dort avec sa machine, tu peux mettre une petite balle de ping-pong au-dessus de sa bouche, puis elle reste là. Ouais. C'est ça, tu peux faire ça. Tu peux faire ça. Je pourrais jouer de la flûte. Mais j'avoue que c'est oui, j'ai t'imagines, tu te réveilles, puis il y a ça, une petite balle, ça. T'es comme, hey, qui est venu dans ma tête? C'est qui me niaise? Mais... Non, mais en fait, le principe de ça, c'est que ça fait fermer ta bouche parce que tu peux pas respirer, là. Fait qu'il faut comme que tu gardes la bouche fermée, fait que tu... Ouais. Parce que l'air sort, mais si l'air sort puis que la bouche est fermée, c'est peut-être ça là, tu viens... C'est comme mon poumon est sorti à l'extérieur sur ma table de chevet, puis il y a de la pression toujours. Si j'ouvre la bouche, là, ça marche pas, j'arrête de respirer. Fait que là, genre, je fais... Là, tu refermes ta bouche, puis là, tu respires par le nez à la place, puis tu ronfles pas, puis tu fais pas d'apnée du sommeil, puis tu dors pour vrai. Fait que c'est... toi, dans le fond... G est cyborg juste en dormant. Ouais. Mais toi, c'est comme, dans le fond, tu savais pas dormir. Non. J'avais jamais dormi. Hey, c'est nice, tu deviens comme immobile, genre? Oui. C'est fucké, ça? Oui. Wow! Moi, d'ailleurs, j'aimerais proposer... J'avais pensé à ça l'autre fois, parce que... Il y a encore Grégory Charles qui a dit n'importe quoi. Là. On parlera même pas de ça. On s'en sac tellement. Puis c'était même pas d'une chanson, ce fois-là. Non, c'est ça! Il a juste fait ça live, pas de musique. Là. Non, il a improvisé. Là, mais lui, là, tu sais, puis plein d'autres comme lui, là, qui dorment 3 heures par nuit, là, ça, c'est fini, là. Là, je vais te le dire tout de suite, maintenant, c'est 8 heures de sommeil obligatoire. Okay, je m'en crie, ce que tu fais, tu restes dans ta chambre, puis tu fais rien, puis tu fermes tes yeux. On n'a pas les moyens et les ressources
d'avoir du monde debout de 20 heures par jour à consommer. Hey, relax! Grégory! Hey, imagine le calvaire. Tu fais Grégory, tu te souviens ici, à partir de maintenant, tu as juste le droit de travailler 3 heures par jour. Là, il doit capoter. Non, mais tu n'as pas le droit. Sinon, tu as le droit. Je veux dire, je peux pas t'empêcher d'être réveillé, mettons, mais tu peux juste faire des affaires qui coûtent rien, qui prennent pas d'énergie. Tu peux aller marcher, tu peux farmer ta gueule. Tu peux. Non, ben, mais. Tu sais que ça coûte pas cher, ça. C'est pas cher, là! Parce que nous autres, on parle tout le temps, puis check ça, il y a comme 3000 pièces de gear, tiens, sur le state. Il me faut tout capoter, ce monde-là, en plus, comme lui, là. C'est une joke, là. Tu sais, c'est tant ça, un peu. Là. Moi, je suis un overachiever, je peux pas dormir. Si, moi, faut que je sois debout, faut que j'overachieve. Hey, d'où, tu l'as écouté la toune de Montréal, t'as fait? T'overachieves rien, là. Va t'asseoir! Ouais. Là, tu fais trop d'affaires en même temps, puis il n'y en a pas une qui est bonne, Greg. Là. Fait que moi, je proposerais vraiment, là. Puis j'ai dit 8 heures, mais moi, je pense que tout le monde est noué devrait avoir 8 heures de sommeil. Faut arrêter aussi de se vanter de ça. Tu sais, tant mieux si tu as besoin de moins de sommeil dans la vie, là. Si vraiment avec 6 heures, il y en a peut-être du monde, là, que sont, on n'est pas tout fait pareil. Mais pourquoi se vanter de ça? C'est super. Comme faire sentir tout le monde paresseux de vouloir dormir un cycle normal de sommeil. Ouais, c'est aussi, quoi ça, cette vie-là de marre? On shame tout le monde de ne pas avoir des problèmes de consommation de travail. Parce que lui, c'est sa dope, là, le travail, mettons. Là. Il travaille tout le temps. Moi, ma dope, j'en parle, puis mon est comme mais moi, ma dope à moi, c'est ma copine. Oh! Waouh, masculinité toxique. Non, mais non, t'as, non, non, t'aurais dû dire ma cocaïne, c'est ma copine. Ah, ma cocaïne, c'est ma copine. Ah, c'est vrai, ça ah, ouais. Très Éric Lapointe de ta part. Ouais. Mais c'est pas moi, c'est. C'est quel chanteur, ça, non? Yann Perrault. Ah, ouais. Ah, ben, gadon. Un autre cas. Mais oui. Mais, ouais, c'est ça. On en a beaucoup au Québec, de ça. Mais oui, j'obligerais le monde à dormir, même jusqu'à 12. On serait rendu. J'obligerais. Non, mais là, c'est ça. On dort, on ferme tout. Sleep, police! On ferme tout. Open up! Mais. Joke! Dans you're sleeping! C'est comme genre flash tes lumières, mais juste une shot. C'est ça, j'allais dire. Moi, je présenterais ça de même aux Québécois. C'est un flash tes lumières très lent. On va flasher une fois à 10 h le soir, puis on va reflasher à 10 h demain matin. Bonne nuit! Rien à entendre entre les Mesmer nous dit bonne nuit à la fin du téléjournal. Ouais. Il fait bonne nuit. Avec sa grosse bague. Et là, le Québec dort. Ouais. Non, mais ça nous aiderait à utiliser moins de ressources, à moins consommer, puis juste aussi à retrouver une genre de santé mentale. T'as l'impression que ça fait partie de ça. Tout le monde est anxieux, mais c'est aussi parce qu'on dort pas bien, on mange pas bien. Ça aide pas, là. Non. Tout ça, là. Fait que moi, je dirais 8 heures minimum. N'importe qui nous dit qu'il a dormi moins que 8 heures, j'y donne des pilules. Je l'assomme. Non, mais... Non, mais il y a pas des pays qui ont des siestes dans l'après-midi, genre... Ça, c'est excellent, hey, ça. On devrait installer ça. Ça aussi, ben oui, pourquoi qu'on se garde pas? C'est nous autres qui décident, voyons donc. On veut un pays puis un petit dodo. On veut une... Ben oui, on veut une sieste. OK, pas de pays, un plus gros dodo. Ouais. Êtes-vous d'accord? Non, mais 8 heures de sommeil puis une bonne sieste. C'est vrai que c'est le fun, mais ça. Là... Ça, c'est le fun. Les siestes, je trouve, c'est sous-estimé. Il y a beaucoup de gens qui ont peur des siestes. Ben, c'est parce qu'on n'est pas rodé. On pas. Parce que là, moi, j'étais des fois, je sais pas, je commence-tu une sieste qui va être un peu trop longue, qui va me fucked up? Où je vais mettre un cadran, puis là, ça va... Mais ouais, tu vois, ma blonde, elle met tout le temps un cadran, puis je suis comme, arrête de mettre un cadran pour la sieste. Si tu fais. Ben, mais en même temps, peut-être parce qu'elle veut se relever, faire d'autres choses. Oui, je sais, mais comme, dis-toi qu'il faut que tu te relèves. Tu sais, je dis, t'es capable. C'est sûr, c'est fucké un mené de faire quand, oh mon Dieu, il est 10h15 le soir. Tu sais, je viens de me lever, whoops. Ouais, mais t'avais besoin de dormir. Non, c'est, mais t'as raison, mais t'sais, mais c'est sûr, des fois, ça fit moins. Mais c'est parce que pour faire quoi? Tu sais, comme, te relever pour aller écouter la télé, genre? Ouais. C'est vraiment une bonne. Ouais. C'est une raison valable. Vrai, honnêtement, ben, ouais. C'est pas grave. Là. Non, mais t'as raison. C'est parce que, mettons un somme, pas un somme, mettons à 8 h le soir, je comprends. Là, tu peux mettre un cadran parce que t'as quelque chose à faire. Mettons un somme à 1 h l'après-midi, mais pas de cadran. Là. Je comprends. Mais c'est ça, c'est parce qu'on n'est pas rodé. Parce que c'est vrai que c'est pas normal que les gens aient peur du sommeil. Genre, faire un petit sommeil, d'un coup, je dors trop longtemps. Rien, on crie, c'est quoi le danger, là? Hey, moi, je vous recommande, faites des siestes à la job. Ben oui! Ben non, mais c'est la seule manière d'avoir une augmentation. C'est vrai. Déjà fait une fois? Ben, je travaillais aux Alleuses, puis je suis allé dormir dans une boîte en arrière. Puis, Julien était full fâché. Il trouvait ça fourette que je fasse ça, puis j'étais comme, m'en tabarnak. Ah ouais. Ouais. Ben, avec raison, mais tu vois, t'as fait couler les Alleuses. Ouais. C'est fermé sans star. Ben oui, c'est de ma faute. C'est de ma faute. Où est-ce qu'on va pouvoir s'acheter des affaires cheap? Au Walmart. Il n'y a plus de place. Hey, on a un petit cadeau, hein? C'est vrai? Nous, ouais. Oh! Non. On a un petit cadeau, tiens, gars. Ah, puis c'est moi qui s'en occupe un peu. Ben, yeah, c'est tout. Alors, pour Sexy Légal et leur fidèle accomplice, plus Catherine, qui n'est pas loin, de la part de Louis, Joël et Ben. Alors,
Allô? Est-ce que tu peux... Je vais. Utilise ta main. Oui. Non, c'est mort. C'est pas des animaux. Oh, ça, ça a l'air d'une poutine. Oh, yeah! Ça a l'air d'une poutine. Hey, merci pour la poutine. Voyons donc. Voyons donc. Oh, ça, c'est-tu de la drogue? Wow. C'est de l'air de la drogue. Non, non, mais ça, c'est la pire drogue du monde, ça. Ah oui? Oh, ça sent bon. Ouais, ça, c'est la drogue. Ça, c'est plus dangereux que les drogues que j'achète. Là. Pastel et coco, pâtisserie, café, confection. Oh, my. Sweet ça sent le sucre bon, là. J'en veux, les gars. Bon. C'est quoi ça, un grilled cheese? Qu'est-ce que c'est? Ça, c'est des délicieux biscuits, pis ça, c'est... Des brownies, pis des pops de même. Gasse ça, toi. Pis c'est vegan, en plus, pour le vegan en chef. Voyons donc. Bon, mais OK, non. Moi avec, d'abord. Es-tu vegan, pour vrai? Tabarnak, ben bon. Bon. Regarde, vegan, ça peut être délicieux, là. Hey, on croirait que c'est de la viande. Ouais. C'est à s'y méprendre! Vraiment! Hey! Ça goûte le steak haché avec les petits brillants, là! Le ketchup! Tout est dedans! Ouais! D'accord, merci beaucoup. Le meilleur pogo! C'est là qu'on apprend que j'ai un goût complètement déréglé. C'était comme « Ah, c'est ça! OK, comment ça fait qu'on aime les mêmes affaires? C'est bien weird! » Mais c'est vrai, moi je pense toujours à ça, genre, on sait pas qu'est-ce que les autres goûtent dans le fond. On est là puis on se dit que c'est bon, on n'a aucune idée de ce qui se passe dans leur bouche. Mais c'est ça, mais je pensais à ça l'autre jour, puis tu sais comme les gens qui aiment pas la coriandre, puis font comme « Ah, j'aime pas la coriandre, ça goûte pas bon. » Peut-être que moi, je suis de ceux qui goûtent la... Parce que la coriandre, tu peux comme soit la goûter... Puis aimait ça, puis soit pas. Il y a du monde qui aime vraiment comme pas la ça. Plupart des goûts, hein, tu savais? Non! Non, mais ça se peut goûter non, mais à quelque la chose. La coriandre, il y en a qui trouvent que ça goûte le savon. Ouais, genre. Ouais. C'est plus. Ouais, il y a plus de gens, mettons. Mais j'ai comme peur d'être de ceux qui goûtent la coriandre que ça goûte le savon, mais j'aime ça, finalement. Un nouveau problème! Non, mais imagine! Aïe, tu sais, lui, il est dans une place où que, genre, le monde faut tuer la coriandre. Non, j'ai essayé, ça goûte le savon. Hey, moi, avec, je trouve que ça goûte ça, c'est bien bon. Non, ça goûte le savon, le bon savon. Mais moi, j'adore la coriandre, c'est ça l'affaire, en tout cas. Mais tu penses que ça goûte le savon? Mais non, il y a du monde qui disent, je suis pas capable de manger ça parce que ça mais goûte mais pourquoi tu penses que ça goûte le savon? Je le sais pas, peut-être que je suis tout déréglé au niveau de la bouche. C'est ça que tu décrivais. Va falloir que tu goûtes ton savon. Exact. Il y a pas d'autre façon de le savoir. Mais d'un coup que moi je trouve le savon, ça goûte pas le savon, ça goûte la coriandre. Mais je pense si t'aimes ça, c'est que tu fais pas partie du groupe savon. Ouais, c'est ça. C'est un peu ça là. Oui, oui. Ça te prend pas grand-chose paniquer toi. Ben, hein? J'en mets dans tout là, tu sais genre. Tu mets la coriandre dans tout. Ben ouais, bon. La panique. Ouais. J'en mets dans panique. Sprinkle, sprinkle, panique, panique. Non, mais à un moment donné, j'ai speedrunné la coriandre, là, puis j'en mettais vraiment dans tout, là, tu sais, comme sandwich, salade. T'es vraiment excessif, ça a pas de bon sens. Oui, mais... Non, non, mais ça a du bon sens, mais je veux dire... Le soir, je m'en mettais ses yeux. Ouais. C'est ça, il devient comme la coriandre, c'est mettons, que... ou n'importe quoi. Genre, je veux tout savoir sur tout, fait que ça me tente pas de l'expérimenter sur un long chemin. Je veux tellement avoir d'affaires que je suis comme, bon, là, la coriandre, je vais l'essayer pendant 3 mois, puis après ça, on passe au paprika. T'es comme là? Barbie. T'as toutes les GF, tu sais, Barbie ça. Tennis, GF, ouais. Tu sais, n'importe quoi. C'est ça, on voit, il arrive avec un kit. Hey, là, je suis bien sur le tennis, c'est ça, Wimbledon. Puis après, il en parle plus jamais. Exact. Il vient avec son petit bandeau, son court. Ouais, son c'est court. Juste, c'est comme si je voulais vivre toutes les existences que je pouvais vivre, là, tu sais. Wow, mais qu'est-ce que t'as peur de manquer? Parce que moi, des fois, je réalise, je veux vivre comme aucune existence. J'ai pas peur de rien manquer. Je resterais chez nous, moi. Ouais, mais c'est pour ça que moi, j'ai vu des expériences comme je goûte au rhum à IW, puis toi, tu y goûtes pas. Ça nous permet de faire un podcast, oui, c'est sûr. Si on restait tous les deux chez nous, ça serait plus tough. Ça serait plate. Mais moi, je suis pas chez. On dirait que j'ai pas peur de rien manquer. J'ai même peur de vivre des affaires, j'ai pas le goût. Oui, mais t'as plus comme de chance quand même. Exactement. Ouais. Je veux dire, 7 fois sur 10, je vis quelque chose, j'aime pas ça. Pourquoi tu sais, je suis rendu assez loin dans le game pour savoir que statistiquement, j'aimerais pas ça. Ouais, mais des fois, les affaires pas plaisantes font partie de la vie autant que les affaires plaisantes. Parce que s'il y avait juste des oui, affaires Jésus, plaisantes, effectivement. Des affaires Jésus, merci. Merci, Barabbas. J'ai le cancer, tu me testes. C'est normal. Oui. Mais c'est un peu de la bullshit de coach. J'ai tombé de mal foi. Oh oui. De mal. Non, mais c'est un peu, ouais, c'était bizarre. Je pense, honnêtement, je fais comme. Un OCV en ce moment? Tout le temps. Hey, il est où ton petit. Pointe-toi le. Ah oui, man, enfant. Check-toi. Check-toi l'oxygène, c'est ça. Ouais, vas-y. Vraiment bon.
J'ai hâte que tu viennes avec ta sonde. Hey, mais pourquoi tu te le pinces pas juste sur le nez? Tu vas le voir tout le temps. Ah ouais? C'est vrai, ça! 97% tout va bien. Mais non, ouais. Je suis rendu où? What the fuck? T'as acheté ça encore en ligne, là? Non. Combien d'enfants qu'il faut qu'ils meurent pour que tu puisses vivre, Jean-François? Aïe, c'est donc... Ah, tu vois, ça t'a calmé de dire ça. C'est vrai, c'est quand même mon rythme, c'est vrai! Hey, j'étais à 108, je suis rendu à 97, 94, 91, 89, 87. Ça, c'est un biscuit. 85, et je pense qu'on va pas mettre un gars 82. Je suis correct, je suis revenu, Fiu. Ben non, mais c'est vrai, il faut pas, il faut essayer, j'ai essayé trop tard, on va tout mourir, c'est pas grave, mais juste, faut pas faire ça. Regarde, ça m'aide. À battre ses records! Non, mais je me sens mieux après, genre, en place de paniquer que le Christ, je check ça, je fais « Eh non, tout va bien. » Mais ça, ça t'aide, sauf que ça crée aussi le monde dans lequel tu te sens pas bien. Oui. Fait que c'est un spin de même sans arrêt. Ouais. Oui, mais comme, genre, OK. Mais, genre, OK, oui, mais là, comme, je peux pas changer du jour au lendemain, Philippe, j'ai besoin de palliatifs. C'est comme, gâte-toi, arrête de fumer, puis après ça, tu me feras des leçons, c'est tain. Fuck you. Fuck you! Bam! Fuck you! Hey, t'aurais dû faire une toune en faisant ça, ça aurait été le bon moment? Là. Non, ouh! Même pas besoin. Merde, on me fera la leçon quand t'auras arrêté de fumer. J'arrête bientôt en passant. Ah, ouais. Oui? Ouais. Faut que j'arrête avant 40 ans, faut que j'arrête. Oui. J'ai pas le choix. Ben oui. J'ai pas le choix, sinon je vais mourir de ça. Puis je veux mourir, mais pas de ça. C'est possible. Ah, ce serait. C'est pas cool la cigarette. Ben, c'est pas super punk de mourir de la cigarette. Non, c'est ça. On va essayer de mourir d'une façon plus punk. Genre comme dans un concert de musique. Peut-être. Avec une chainsaw. Ah. Mourir sur le stage, ça serait quand même un big up. Là, ah, mon Dieu, ce serait comme genre non, là. Ouais. Ben, non. Ça serait bon pour le podcast. Ah, non! Ding, les mais, views! C'est un gros épisode, ça. L'épisode Philippe meurt, arrête. Moi, on dirait que je préférerais mourir dans. Je pensais qu'elle allait dire Mathieu. Je préférerais Mathieu meurt. Puis après, c'est dit, ouais, non, les fils. Ouais. Non! L'animateur ou le gars des fils? Non, mais ça prend son doigt pour l'ordinateur, là. Allez, oui, mais... J'aimerais plus mourir dans le privé que de mourir dans le public. Pas comme les institutions, mais c'est comme... C'est ça, là, 10 minutes, là, toi! Hey, ça va, le petit message de la CAQ? Non. Jean-François Provençal préférerait mourir dans le privé. Non, mais, tu sais, tout le monde te regarde, t'as rien de mourir, tu sais, c'est comme, j'aime pas, je veux pas ça, là, genre... Mais tu penses, ça dure combien de temps, être en train de mourir? Hey, ça peut parle vraiment si dépendre, ouais, là! Ouais. Ça peut dépendre. C'est ça, mais c'est parce que là, toi, tu décrivais quelque chose de subi. Ouais, genre le 15 secondes max, là, pis là, t'es plus là. Ouais, c'est ça, mais... Ouais... Comme tu te sens pas bien, là, maintenant... Moi, c'est ça, je vais faire paniquer. Si ça arrive, je vais faire paniquer quelqu'un, moi, le regarder dans les yeux en mourant, là. C'est ça. Ah ouais, hein? Ouais. C'est comédien jusqu'au bout. Là, il se passe un affaire de même. La personne est poignée avec ça, c'est cryptique, puis tout est l'enfer. C'est sûr, je fais paniquer quelqu'un, là, tu sais. Genre, comme ça va être l'expérience la plus traumatisante de toute sa vie, là, tu sais. Waouh, t'es. La personne va fermer les yeux, là, tu sais. Puis je vais en trouver un autre du regard. Enfin, non, tabarnak. Je meurs pas tout seul. Une toast, un sandwich. Exact. Chose de même. Un monsieur. Non, ben c'est. Non, on dirait que je sais pas. Non, mais je comprends. Je veux dire, t'es pas supposé triper sur l'idée de mourir en public, là, mais. Non. Mais en même temps, c'est peut-être rassurant. Tu sais, mourir tout seul, c'est pas la plus grande peur de tout le monde. Dans un sens, là. Tu sais, mourir tout seul. Ouais. Je comprends qu'il y a, t'sais, il y a privé puis il y a tout seul. Mais en fait, je pense qu'on a peur de mourir lentement tout seul, parce que juste mourir, ça se passe vite, comme on disait. Mais comme si c'est ça. Fait que dans le fond. C'est dur d'évaluer combien de temps ça dans le fond, on a peur d'être malade tout seul. Ouais. Ouais, mais non, mais je pense que, honnêtement, je pense que pour pas créer de drame, j'aimerais mieux mourir seul que de mourir avec quelqu'un. Ah oui, parce que ça crée pas de drame. On n'a juste jamais revu Jean-François. Il est pas venu, il doit être bien quelque part. Là, il est comme couché au parc. Ouais, mais tu sais, en même temps. Aucun drame. Tu veux pas faire la mort d'Ivan Illich, genre, pis que ce soit comme, t'sais, interminable. Ouais. Et comme, JF est là, non, pis ça, faut aller faire, tu sais, comme le pauvre. Je pense que c'est parce que j'ai vu mon grand-père mourir que j'ai peur de la mort, t'sais. Fait que tu l'as vu live? Ouais, il s'est levé un matin, il a fait comme, je file pas.
Là, il s'est assis sa chaise. Là, ma grand-mère, il a donné une crise de claque dans la face, genre, va-t'en pas, va-t'en pas. Là, ma mère a fait comme, hey, allez donc dans la chambre. Puis là, j'ai fait comme, OK. Puis là, je suis parti dans la chambre. Puis je pense que toute ma peur et mon anxiété vient de ce moment-là. Là, my God, OK, ben, ouais, c'est mais t'as pinpointé de quoi, là? Il y a quelque chose. Hey, je viens de réaliser, je pense que j'ai peur de l'eau parce que toute ma famille est morte noyée. Dans un accident de bateau. Je suis le seul survivant, ça doit être ça. Quand ils m'ont trouvé sur l'île, là. J'étais fucké, ben. Je pense que c'est ça, je pense que c'est ça. Ça doit être ça. Mais juste ça, une affaire. Si moi je me lève un matin et que je dis que je file pas et je me saute d'une chaise, c'est moi pas des claques, là. Non, mais ça, je pense que c'était plus comme pour le réveiller, oh, oui, genre, va-t'en pas, tu sais. Oh, oui. Genre, saisis-toi, là. Je comprends, pas, mais tu sais, en même temps. Tu sais, t'es en train de mourir et une coupe de claques en plus. Oui, mais sauf qu'en même temps, tu fais comme. Genre, ton impulsivité, c'est de faire ça. Est-ce que tu le fais ou tu le fais pas, tu sais? Si tu dis peut-être je vais. Toi, tu le ferais-tu? Ben, si c'est comme la façon que je pense que je peux réanimer l'être aimé. Oui, là. L'être aimé, c'était beau, ça. J'aimais ça, comment tu l'as dit. Réanimer l'être aimé. Ça, c'est plus beau dit que fait, parce que, tu sais, c'est comme... Ah, oh, tu l'aimes beaucoup, tu l'as réanimé, tu fais, ouais, le moment que je t'appelle ouais. Son... toute la bave, le vomi en tout, tout. C'est un tough moment, là. Ouais. C'est sûr, mais c'est sûr que ça fait peur, ça, en vieillissant, tu... parce que, tu sais, tu le sais toute ta vie, là, que ça se passe, puis peut-être, je sais pas si t'as vécu ça jeune, là, t'avais l'air de parler, oui. T'étais jeune un peu, on t'a demandé d'aller dans ta chambre. Genre, non, mais... dans la chambre de ma grand-mère, parce que, en fait, nous autres, on habitait en Nouvelle-Écosse, fait qu'on venait comme dans le temps des fêtes. Fait que c'était la chambre de ma grand-mère. Ok. C'est ça, mais t'étais c'est... jeune, là. T'avais quel âge? Ouais, genre 6 ans. C'est ça, fait que tu sais, t'es conscient depuis longtemps que, mettons, que la mort, c'est là, puis que ça existe. Mais tu sais, c'est sûr, tu vieillis un moment, puis tu fais, ah oh, ouais, c'est ça, hein, c'est ça, là. Ouais. Ça s'en vient, là. C'était dans le bout de ma fête. Puis il n'y avait plus assez d'argent à m'acheter un cadeau. Fait qu'il m'avait acheté un genre de petit cochon de pâte d'amande à l'épicerie que je voulais vraiment avoir. Même ça, il n'y avait pas assez d'argent vraiment. Puis on m'a quand même acheté. Volez-le! C'est pour un enfant! Oui. Puis finalement, là, j'étais comme, hier, je l'ai mangé. Puis j'haïs ça, la pâte d'amande. C'est dégueulasse. Quoi? C'est pas bon, là. J'haïs ça, la pâte. Fait que t'aurais dû juste le spray printer. La pâte d'amande. C'est dégueulasse. Je comprends rien. C'est bien trop sucré, c'est tout. Il m'explique que le McDo, c'est délicieux, la pâte d'amande, c'est pas bon. Je comprends rien. Il aime la coriandre qui goûte le savon, je comprends rien. La gomme, je comprends rien. Moi, ça, la gomme, tu comprends pas. T'aimes la gomme, je comprends pas. Ben oui. On a parlé tantôt, on va pas parler, là. Je te dis juste, je fais la liste de toutes les choses, je comprends pas. Toi, t'aimes ça mâcher. Oui! T'es un mâcheux, toi. Les amandes. Les serviettes, toi. Les serviettes. Tes propres dents. Oui. T'es un mâcheux. T'es un mâcheux. J'aime ça, la texture des aliments. Non. C'est dit. Un mâcheux anxieux. Un mâcheux anxieux. Ouais. Faudrait te trouver quelque chose que tu peux mâcher sans danger. Un hochet. Un vieux kiwi. Ah non, mais comme ceux qui font les raves, là, qui s'apportaient des genres de jouets pour enfants, là, des suces, ouais. Des... Tu sais, les petites suces, ah, là, attends, le monde des raves, ça mène des suces? Ben oui, parce qu'ils grinçaient des dents à cause de la MD. Ah, c'était pour ça? Oui, c'était pour ça. Wow! Tu viens d'apprendre ça? Wow, ouais, je suis content. Hey, on apprend tous les jours, la gueule! Ouais, ouais. Fait que ça... Puis ça fait mais ça, j'aime ça parce que c'est comme une bonne, mauvaise solution. Ou que, sûr. Genre, ça répond à tout ce que t'as de besoin. Genre, hey, je me mastiquais mes propres dents, puis tout. J'ai une suce, mais t'as une suce maintenant. Ouais. Fait que c'est ça, tu te promènes avec une suce, puis là, tout le monde le sait que tu fais de la MD, puis que, tu sais. Non, je comprends. C'est un code, là. C'est sûr. Anyway, t'es déjà habillé en cowboy en short. Fait c'est correct, là, tu sais. Mais pareil, c'est spécial, là. Le monde le sait un petit peu, là. J'ai aimé ça. Oui. Je pense que c'est la fin de l'épisode. C'est la fin, déjà? Ben, il est 9h31. Ben, c'est la fin, ça veut dire. Hey, c'était super, le fun. Ouais, c'était super. Merci, tout le monde. Vous avez été super, le fun. Hey, hey. Une toune! Ouais! OK. On finit avec une toune. L'aigle noir. Non, non! Non, non, mais... Ah, non, OK. Laissez faire, là. Hey, quand c'est le temps d'en faire une, il peut pas! Merci. Je veux une toune de la fin. Je mange un biscuit, je veux une toune de la fin, je parle pas d'ici. OK, bon, mais Chris, ah ouais. OK, on va choisir le son. Ouais. Moi, j'aime... Le meilleur. Moi, j'aime beaucoup les sons de bells. T'es très tubular. Moi, j'aime beaucoup les sons, les bells. Moi, j'aime beaucoup les sons de Noël. C'est ça. Ah, fais-nous la toune, la bells et le bœuf. Ouais. Liberté! Attends. Aïe, on dirait une berceuse. Hey, on pourrait faire une berceuse pour les gens en publicité parce que ça doit pas être facile de dormir. Ouais. Bonne nuit,
Personne terrible. Influenceur du diable. T'as vendu un enfant pour 15 $ 12 pouces, 5 $ C'est pas de l'or, c'est de la propagande. Bonne nuit dans les bras du capital. On dort bien comme un animal. Bonne nuit, les publicités. Ça, c'est pas un sandwich!